Et bonjour à toutes et à tous les loulous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi après-midi. On est à la veille du week-end et on se retrouve sur Coral Island, à défaut d'un autre jeu hein, que j'aurais bien voulu vous stream, mais c'est pas possible. On va en parler un petit peu après. Merci Chris pour le retour du son, on est bon. Alors on va faire les petits coucous, comme d'habitude. Hop, je remonte le chat et on commence avec Laetitia. Coucou à tous, je ferai partie de la team replay car je viens seulement de rentrer de l'hôpital, donc un peu fatigué et je vais enfin pouvoir rattraper mon retard de la semaine. À très vite. Et des gros bisous Laetitia, repose-toi bien, prends bien soin de toi. Et à très vite. Ensuite, coucou à Nathalie. J'espère que tu vas être bien Nathalie et bienvenue à toi. Bonjour à Personaï. La bise personnelle à Soma, merci Personaï, c'est gentil. La bise personnelle à Personaï de la part de Soma, du coup. J'espère que tes enfants et que tu vas bien. Et j'ai vu que tu étais dans tes études. Révision de cours ou un truc comme ça. Je retomberai dessus après. Bonjour à Johan. Je serai pas dispo pour le live, il fait partie de la team replay comme Laetitia. Mais faire un petit coucou et mettre un pouce, ça fait pas de mal. Bon live à tous, merci Johan, c'est gentil. Du bisou à toi aussi, c'est pas parce que t'es un mec qu'on peut pas se faire la bise. Et prends bien soin de toi. Et bon courage, j'imagine, pour le taf. Bonjour à Chris, ainsi qu'à Gérald, qui vont modérer le live en attendant une arrivée probable de Mrs. Beers un peu plus tard. J'espère que vous allez bien, messieurs de la modération, et que vous êtes en forme aussi. Et que tout va bien pour vous. Voilà. Bonjour à Rododingue, comment vas-tu? Oh, de dingue. En forme aussi, j'espère. J'espère que tout le monde va bien, hein, malgré les petits soucis qu'on peut avoir de santé ou ce genre de choses. J'espère que vous avez le moral. C'est déjà assez important pour ensuite avoir une bonne santé ou en tout cas pour remonter la pente rapidement physiquement. Avoir le moral, c'est quand même important. Bonjour à Aerwant, comment vas-tu? Je fais un petit coucou du taf. C'est gentil. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien aussi. Bonjour à Bjorg. Comment va-t-il, monsieur Bjorg? Donc apparemment, Chris a la forme ovale aujourd'hui, hein, Bjorg. Voilà pour répondre à ta question. Et tu avais lu de travers apparemment. Ah bah ça promet. Ça commence bien ce début de live. Bonjour à Chantal. Bienvenue à toi Chantal. J'espère que tu es en forme aussi, que tu vas bien. On descend et bonjour à la flécolochette. Comment va-t-elle? En forme aussi, j'espère. Bonjour Bella. Alors, comment vas-tu aujourd'hui, Bella? Ça y est, c'est derrière toi les migraines là, de ces derniers temps. Tout est passé, t'es un peu plus tranquille. Est-ce que t'as pu te reposer du coup et rattraper tes heures de sommeil? J'espère que oui. Chris qui va comme un vendredi. Eh ouais. Bonjour Madame Durand, comment va-t-elle, Nadine? Le couple infernal est réuni sur le chat. Je sais pas pourquoi je vous appelle comme ça, mais c'est rigolo. C'est la tradition maintenant. Voilà. Je vais bien, merci la fée Clochette. Qui répondait à Gérald, pardon. Mais c'est pas grave, je vais bien aussi. Tac, tac, tac. C'est vrai que je n'étais pas encore arrivé à ce moment-là. On descend. Bonjour à Kraken. Comment va-t-il? En forme? Merci Soma. Oui, révision de cours, introduction à l'anatomie en naturopathie. Et fonction de protection et de maintien. Deux points. Le système. Non, alors c'est dans l'autre sens. C'est d'abord le squelette et le système locomoteur. Waouh! Tout ce qui a trait au déplacement et. Waouh, ok. Donc le squelette et tout ce qui va nous permettre de nous mouvoir. Et donc fonction de protection de maintien, ok. Et introduction à l'anatomie, ça va. En naturopathie, tu nous avais expliqué. Ok. Très bien. Eh bien, c'est tout. C'est quand même un sacré programme. Hein. Bon courage du coup. Alors, Bella, oui, ça va, et oui, je commence. Ok, ça récupère. Bon, c'est cool. Nathalie qui va bien aussi. Impeccable. Bonjour, ma chère Lyrielle, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien aussi. Alors, Nadine, ça va, parfait. Et merci, la fée clochette. Je suis content que tu sois heureuse de savoir que je vais bien. Donc finalement, c'était une fausse alerte hein, mercredi pour ce que je pensais un début de crève. Pas du tout. Je suis en pleine forme. C'était juste une petite gêne que j'avais dans la gorge en fait mercredi, qui était d'ailleurs qui s'est un peu dissipée pendant le live en lui-même. C'était juste au début, c'était bizarre. Et ça va bien, Lyriel, merci beaucoup. Bonjour Linou.
Bienvenue à toi, comment vas-tu? Tu es en forme aussi, ça va? Tranquillou? On est bien? Bon, alors le programme, les loulous. Demain, Palworld avec Mira. Dimanche, Enshrouded avec Mira, Chris, Dark. Lundi, on retourne sur Coral Island. Mardi, je ne sais pas. Voilà. Et à partir de mercredi, je ne suis plus là pendant 5 jours. Vous me retrouverez à nouveau lundi de la semaine d'après. Sur bah, le lundi, ce sera le 20 quelque chose. J'ai plus les jours en tête. On est le 15 aujourd'hui, donc 16, 17, 18, ce sera le 25. Et ben on verra bien à ce moment-là. Hein? Alors aujourd'hui, j'aurais dû vous stream. On en avait parlé mercredi, je vous avais dit, j'ai récupéré ma clé bêta fermée et tout, je retrouve pas le jeu sur Steam. Bon, le lendemain, il était réapparu. Donc hier. Je devais vous stream Eiyuden Chronicle 100 Heroes. Donc le RPG, le nouveau RPG du créateur des Suikoden, qui malheureusement est décédé il y a moins d'un mois de ça. Et dans le mail que j'avais reçu, il était dit d'éviter de streamer le jeu. Voilà, mais il n'y avait pas de truc strict et tout. Donc comme l'éditeur c'est 505 Games et que je suis en partenariat avec 505 Games France, j'ai contacté Gauthier, qui s'occupe de moi, chez 505 Games France, et je lui ai posé la question. Et donc effectivement, c'est une NDA stricte, on a interdiction de faire des vidéos, de streamer le jeu. Il y a juste quelques gros sites ou peut-être influenceurs qui ont, à partir d'aujourd'hui, je crois que c'était aujourd'hui, le droit de faire des captures de morceaux de jeu pour faire une espèce de preview du jeu. Voilà. Mais en tout cas, si vous tombez sur des streams ou des vidéos où les gens jouent tout ça, normalement c'est interdit. Voilà. Même les gros streamers, tout ça, ils n'ont pas le droit de montrer du gameplay en continu. Ça va être juste des petits morceaux, tout simplement parce que les développeurs ne veulent pas que ça spoile l'histoire avant la sortie du jeu. Voilà, donc ça peut se comprendre, hein. Donc du coup, j'ai dû remplacer le stream d'aujourd'hui que j'avais entre guillemets déjà un peu prévu, du coup, par autre chose. Et ce autre chose, c'est forcément Coral Island, vu que j'avais que ça sous la main. Mais ça tombe bien parce que j'avais envie de continuer ce qu'on avait fait mercredi. On avait bien avancé et j'ai envie d'enchaîner un peu les journées aujourd'hui pour vite arriver en fait à l'automne et continuer de compléter un peu les captures de poissons, d'insectes et de bestioles sous l'eau. Donc voilà, non, je ne pars pas en vacances, Nathalie. La semaine prochaine, en fait, alors, tu n'es pas au courant, hein, ceux qui sont là régulièrement le savent, mais je peux le répéter vite fait. La semaine prochaine, donc une fois par mois, je vais voir mon fils qui habite à 3 heures de route de chez moi. Donc je pose à mon travail le samedi et je pars le vendredi. Sauf que la semaine prochaine, en fait, j'ai un JAF, donc un jugement aux affaires familiales pour les droits de garde, et c'est du jeudi. Donc je pars la veille. Donc la semaine prochaine, en fait, je suis en vacances. Je ne travaille pas. Lundi, mardi, je ne travaille pas. Mais je pars mercredi, en début d'après-midi, pour aller faire mon JAF du jeudi et ensuite avoir mon fils samedi et dimanche. Voilà, et je rentrerai dimanche soir. 3 heures de live Coral Island en moins d'une semaine, je vais faire une overdose. Eh bien, bon shoot, Chris. Ouais, j'ai que ça à dire. Tu adores ce jeu. Il nous fait croire qu'il n'aime pas les Farm Sims, mais il adore ça, en fait. C'est son petit vice caché à Chris. Ah, ok, merci, profite bien de ton fils. Merci, c'est gentil, Nathalie. En plus, ça fait 2 mois que je ne l'ai pas vu. Parce que le mois dernier, mon ex-compagne n'a pas voulu me le laisser. Donc, c'est pour ça qu'on si on passe en. On passe en JAF pour régler tous ces problèmes, voilà, divers et variés, sans trop s'étendre sur le sujet. Donc, on va se lancer. Je change la scène. Je vous mets en plein écran. Voilà, pour que vous voyez quand même le jeu un peu mieux. Hein, c'est quand même plus sympa. Je lance la game. Normalement, je suis déjà en QWERTY. On verra bien en se lançant. Et puis, comme je vous disais, voilà, objectif du jour, essayer de se rapprocher. Alors, je pense pas qu'on passera en automne dans ce live, durant ce live. Mais le but, c'est de s'en approcher le plus possible. Tout simplement. Je vous rappelle qu'on a eu notre premier enfant avec Alice, lors du live précédent de mercredi. Et que du coup, bon, on peut rien faire avec, hein. Il a aucun intérêt pour le moment, mais c'est quand même sympa. C'est quand même très sympa de.
d'avoir pu assister à la naissance en direct pour ceux qui étaient là. Alors, les bassins. Donc, on a un deuxième requin ici, un deuxième ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est... hop, on vide celui-là. On vide celui-là. Ici, on en récupère un. Qu'on met ici. Et ici, on en récupère un autre. Qu'on met ici. Voilà, on optimise aussi le gain d'argent. Et après, on est bon. Ensuite, on récupère les batteries. J'ai rien d'autre. Alors, à un moment donné, on prendra une matinée pour récupérer toutes les ressources qui sont en train de se stocker hein, depuis pas mal de jours dans le récupérateur automatique. Hein. Et il faudra transformer tout ça. Et coucou Natou, comment vas-tu? Oups, j'ai raté le début, j'espère que tout le monde va bien. Je viens juste de commencer, ça fait même pas 2 minutes. Allez, allez, 2 minutes, si. Deux grosses minutes. Sauf que tu nous aimes, donc arrête de faire ta fillette. Alors, oh, ça y est. Alors, Persona, elle va se mettre à dos Chris. Attention parce qu'il va te cracher dessus, hein, comme sur Nomi, Persona. Méfie-toi. Hein. Il va sortir son petit lama, là, Chris. Qu'est-ce que tu avais dit à Persona et Chris? Quand on n'aime pas, on compte. Ah, d'accord. L'inverse de du proverbe. Ah bah, bravo. C'est du propre. Il est intenable, ce Chris. Intenable. Bam! Coup de pied pour, bien sûr, récolter les fruits. Hein. Tout le monde fait ça. Même pas peur. Bonjour Patrice, comment vas-tu? Alors Personaï, pour commencer un chouïa à la connaître, hein, j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec elle de vive voix via le Discord. Mais pour voir ses réactions sur le chat, tout ça, ça doit être une femme dans la vie qui doit pas se laisser faire, je pense. Elle a bien raison. Une femme qui a du caractère, voilà. Et je doute pas qu'il y en a plein sur le chat. Mais c'est l'impression qui ressort. C'est l'impression que j'ai un peu de Personaï, donc c'est cool. Bonjour Vivi, comment vas-tu? J'arrive, il y a de la chamaillerie. Ouah, c'est Chris qui fait des misères. Quand la m'a fâché, la m'a craché, voilà, c'est ça. Bah, comment allez-vous alors, Patrice, Vivi et Lydie qui vient d'arriver, ainsi que Mélanie. Bienvenue, mesdames. Voilà. 3 femmes pour un homme qui arrive sur le chat. Ah, un deuxième homme, Sébastien. Oh, il y a du monde qui arrive. Vous venez d'avoir les notifs ou quoi? Alors... Monsieur, messieurs, Patrice et Sébastien, ainsi que mesdames Vivi, Lydie et Mélanie, comment allez-vous? Mélanie, c'est Cara. Ah, mais oui, Cara. Oh, t'es pas venue à la soirée hier soir, Cara? T'étais pas dispo? Ou alors t'as pas vu le message? J'ai pas fait le lien de suite. Donc, Cara qui est dans la guide sur Final Fantasy XIV, avec Big Dara, Pixie, Ardag, moi-même. On a potentiellement un petit nouveau qui va arriver, ouais, qui peut pas parler parce qu'il a un handicap, mais qui écrit très bien et qui entend très bien. Donc ça pourrait être cool, il a joué avec nous justement hier soir. Et il y avait Didi aussi, la fameuse Didi pour ceux qui la connaissent, hein, notre Québécoise préférée. Ça me fait penser d'ailleurs qu'on voit plus trop Céline, notre Belge préférée. Je sais pas où elle est passée, j'espère qu'elle donnera un tant soit peu des nouvelles, ce serait cool. Mélange de sang breton, vendéen et espagnol, juste un tout petit peu de caractère et quand tu veux, Soma, pour un bout de papotage sur Discord. Ça marche, Personaï. Il faudra qu'on se fasse ça. Sébastien qui a un peu la crève. Bon, bah, il faut dormir avec des chaussettes, Sébastien. Voyons. Je n'ai pas pu être présente, j'étais de garde au boulot. Ah mince! Et sinon, je vais bien. Alors, la prochaine soirée, j'ai pas encore le jour, mais ce sera pas la semaine prochaine parce que je suis pas là pendant 5 jours, Cara. Ce sera la semaine du 25. La semaine du lundi 25. Mais je sais pas encore le jour, en fait. Je sais pas si je vais mettre un jour fixe ou ça va changer à chaque fois. Mais voilà, pour petite info. Et puis voilà. Alors par contre, j'ai complètement oublié de mettre le jeu en pause pendant que je parpotais. Et du coup, les heures défilent, en fait. Ça va donner, quoi. Mince, j'ai caressé qui? J'ai caressé Jojo. Ça, il est pas là. Il a rien vu.
Bizarre ça. Bizarre. Du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. Il faut que je remette quelque chose là-dedans. Il faut que je remette en fait un fromage de chèvre, non? Mais du coup, est-ce que j'avais récupéré du... Je crois que j'avais récupéré du lait de chèvre et que je l'avais mis. Ah, je l'ai pas mis dans. Alors attendez, le problème d'avoir les deux qui sont reliés, c'est que le lait de chèvre, il va dans les bocaux Maison et ça me fait du beurre? Non. Mince. On est d'accord que le lait, si je le mets dans les trucs à fromage, ça me fait du fromage. Mais du coup, dans les bocaux Maison, ça me fait du beurre? Est-ce que je peux... Ah mince! Alors il faudrait que je récupère du lait de chèvre et que je le mette directement dans une machine. Parce que là, c'est les bocaux Maison qui prennent le dessus sur... Ah mince, j'ai plus de place. Ah zut, zut, zut! Et moi, je suis la Belge détestée. Mais non, Bella! Oh, de suite! Genre qu'avec des chaussettes. Moi, je peux pas toujours être là parce que, hélas, je suis souvent en soins. Bah, écoute, c'est pas grave, Lydie. Et puis, j'espère que t'as rien trop de trop trop grave. T'as pas de place. Oui, j'ai pas de place. Oui, j'avais un petit peu vu. J'ai les grosses fesses. Attendez, on va mettre ça aussi. Les truffes, on va les ranger. Bon, je pense que cette journée est un peu perdue pour aller genre à la mine ou tout ça. Le temps que je termine tout mon patatras là. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? J'en sais rien. J'ai posé ça. On va revendre ça, les poissons du coup, vu qu'on les garde pas. On va ranger les fruits. Non, avant je vais vérifier un truc. Est-ce que je connais tous les prix? Ça, je connais pas le prix. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ok, notre œuf, on va le mettre là. Ensuite, il faut que je garde. Alors ça, je crois que j'en ai pas des mûres. Alors non, j'en ai pas. Par contre, je commence à sérieusement manquer de place, hein. On va les mettre là. Les poivrons, normalement j'en ai. Oui. Je vais récupérer cela. Du coup, changement de programme. On récupère ça. On va le mettre là. Après, on a dit qu'on mettait ça dans les coffres. Et donc les poivrons et les machins, on va les transformer ici. Voilà. Ensuite, on va chercher le lait. Voilà, j'ai vexé Bella, du coup, je crois. Je m'en veux pas, Bella, quand même. Elle a marre à l'heure. Qu'est-ce qu'il a, Chris? Même pas peur. Moi, je suis un mélange Bourgogne, Seine-et-Marne et Serbie. Waouh. Wow. Cancer. Ah mince, bah, je suis désolé pour toi, Lydie. Mais plein de bonnes ondes et plein de force pour toi. Mais sinon, ça va, tout va bien. Ok, d'accord. Apparemment, t'as le moral. C'est ça le plus important. C'est ce que je disais il y a quelques instants, justement, que le moral, c'était hyper important pour les gens qui ont des soucis de santé. Mais tout plein de pensées et de force pour toi, Lydie. Donc, il faut que je balance, en fait. Voilà, on va en faire plusieurs. Ça, je suis sûr de ne pas me louper. Ok, donc on va aller... On est dimanche, normalement. Voilà, c'est ça, le forgeron est fermé, mais on va aller au labo. À la fin du live précédent, on n'avait pas pu aller au labo parce que le samedi, le labo est fermé. Donc là, en l'occurrence, il est ouvert. Et bonjour Frédéric, comment vas-tu? J'ai failli te louper. Comment ça va? Râler, c'est notre sport national et il n'est même pas au JO. C'est un scandale. C'est vrai qu'en France, on aime bien râler. Envoyez des petits cœurs à Lydie. C'est gentil, merci pour elle. Alors...
C'est parti. Bon, il faut qu'on ait. Il nous manque deux fossiles. C'était une tête de je sais pas quoi. Hein. Et je crois une cage thoracique. Enfin, ou un torse. Je sais plus comment ils appellent ça. On va essayer d'avoir un petit peu de chance. Oui, très important. Ça fait 6 ans que je lutte. Et encore de nombreuses années pour toi, j'espère. À la fois de lutte et une rémission, ce serait vraiment bien, quoi. Et en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous, du coup, aujourd'hui. Ça, c'est très bien, ça. Alors, j'aurais peut-être pas assez de place pour tout ouvrir. Je sais pas trop. Merci, les loulous, vous êtes adorables. Je vais peut-être pouvoir tout ouvrir. Et après, on aura tous ces coffres à ouvrir hein, sur la... Ah mince, bah voilà, j'ai plus de place. Sur la prochaine journée. Bon, bah malheureusement... Ah si ! La dernière tête ! Super ! Alors ça, c'est génial. Alors là, je dis bravo. Bravo, bravo. Ok, il nous manquera plus qu'un... Ouais, une cage thoracique. Donc on va revendre, et attention de ne pas faire de boulettes, j'aurais dû aller au musée avant, mais on va revendre, non c'est pas ça. Donc on revend surtout pas ça, hein. Donc c'est un crâne de plésiosaure. Ensuite on va mettre ça, ça, ça ici. Et les graines ici, voilà. Et on y retourne. On va ouvrir les deux derniers, hein, on va pas les laisser traîner. Et ensuite, on ira au musée. Oui, encore un, Lyriel. Ouais, ouais, et il va plus nous en manquer qu'un seul. Désolé, j'ai eu un coup de téléphone important entre-temps. Mais c'est rien, Sébastien. T'inquiète. Hein. Juste, bah, on a eu l'avant-dernier fossile de la liste de ce qui nous manque. Les crânes de Mosasaur, on l'a déjà... Hein ? C'est deux crânes qui me manquaient. Alors là, on aurait fait... Ou il m'en manque plus que deux. Je sais plus. On va aller voir ça de suite. Alors là. Alors là. Deux pour le prix d'un. Dis-moi, est-ce que les enfants grandissent dans le jeu ? Non, pas pour le moment, Lydie. C'est pas implanté encore. Ça arrivera avec la prochaine grosse mise à jour. Enfin, je crois. C'est pour la... Non, c'est pour la 1.3, le... Bah, apparemment, oui, Lyriel. Et je pensais que c'était une tête et un torse. Attendez. J'avoue que... C'est même pas deux têtes, en fait. Enfin... Ah, je pense qu'il y a un bug. Ou alors, je l'ai eu une fois et je ne l'ai pas donné au musée. Et pareil, du coup, pour... Ah, c'est très bizarre. J'ai dû me planter quelque part, en fait. Oui, donc c'est... là, ils ont annoncé... ils ont fait une roadmap sur les prochaines mises à jour. À venir, dans les mois et mois à venir. Donc, il y a la 1.1.2.3... Et je crois que c'est pas la 1.3 qui aura... Ouais, je peux donner les deux. Ok, du coup, au niveau ici... J'avais pas dû les donner. J'ai dû déjà les avoir. Mais j'avais pas dû les donner, en fait. Et donc, en fait, il me manque un... Un torse et une colonne vertébrale, en fait, c'est... Enfin, un torse, une cage thoracique, je sais pas comment on appelle ça. Ils appellent... Ouais, ils appellent ça un torse. Hein. Et une...
Soit c'est une queue, soit c'est un autre torse ou une colonne vertébrale, je sais pas trop. Ouais, il y a des colonnes vertébrales, c'est ça. Ok, donc 2 de plus donnés au musée, mais pas 2 de plus du coup dans la collection. Alors, il est 15h40. Est-ce qu'on va se faire un petit coup de grotte sous-marine ou un petit coup de mine? On ne pourra pas y rester longtemps, mais je crois qu'au niveau de la mine, on avait récupéré tout ce qu'il me fallait en quantité que je voulais avoir d'avance. Donc, je sais plus qui avait regardé la dernière mercredi pour la fourchette et la truc d'eau. Il fallait aller où déjà? C'était dans les coffres mystérieux et les coffres pirates. Donc ce qu'on va faire, vu qu'on a déjà plein de coffres sur nous, on va aller en chercher d'autres. Et les coffres pirates, c'est à 50 mètres. J'ai commencé le jeu hier. T'as commencé le jeu hier, Gérald? Bah c'est cool. Ouais, coffre pirate, ouais. Alors je sais plus lequel pour lequel, hein, mais c'est genre les coffres pirates pour la fourchette et les coffres mystérieux pour la bouteille d'eau. C'est une espèce de gourde ou de bouteille d'eau. Donc on va essayer d'en ramasser encore plus que ce qu'on a déjà. Comme ça, on va bien galérer à tous les ouvrir. Vu que comme on en aura tellement, ça va nous prendre un temps de dingue déjà à tous les ouvrir. Et ça va polluer notre inventaire. On aime. Coffre pirate personnage. Ouais, c'est pour un des deux items, ouais. Et puis, bah, en faisant ça, on récupère des fossiles. Et donc, avec les fossiles, bah, on peut espérer avoir les deux fossiles, justement, qui nous manquent. Comme on vient d'avoir les deux têtes qu'on avait déjà eues, mais qu'on n'avait pas apparemment donné au musée. Ce qui est un peu bizarre, mais bon, j'ai toujours essayé de bien faire attention, mais... Fourchette pirate et mystérieux bouteille mystère et mystérieux ouais pour la bouteille ouais ok. Voilà des coffres, on va en avoir une cargaison. Oui, c'est un peu nul sur Xbox, il n'y a pas tout en français. Bah ouais, je sais pas quoi te dire. C'est vrai que les portages de jeux indépendants sur console, c'est pas sans difficulté quand même. Je ne sais plus par où je suis arrivé. On va dire que... Je sais pas, je suis allé par là. Bah, mauvaise pioche. Il est quelle heure? 19h10. J'ai pas trop traîné. On a quand même récupéré 19 nouveaux fossiles.
Et surtout, on a 74 coffres pirates et 25 mystérieux. Bon, on a pas mal augmenté nos chances d'espérer les récupérer, quoi. Maintenant qu'il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Et puis bah ça va le faire. Ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Les fromages sont pas transformés encore. Et du coup on peut aller se coucher. Comme je vous ai dit, on va essayer de pas traîner, de pas trop traîner, d'enchaîner les journées. Donc du coup pas se coucher trop tard pour gratter un peu de temps. Et tant que le minimum est fait, 22 000 quand même. Pas mal. Donc ici, hop, là il n'y a rien. Ici on arrose. On va récupérer les batteries. Ah ben il n'y en a pas. On va récupérer du coup. Alors. Voilà, donc meule de fromage de chèvre. Et ça, du coup, je le mets là-dedans. Et ça me donnera ça que je pourrais donner à la déesse. Et en attendant. Toi, tu retournes ici. Ok, j'ai ça que je vais mettre là. Le grain de café, on va torréfier ça. Et puis... bah, aujourd'hui, tiens, on va prendre un peu le temps pour récupérer les ressources dans les récolteurs automatiques. Ces grottes sous-marines sont vraiment décevantes. Même pas un petit combat à se mettre sous la dent. Non, c'est vrai, il n'y a rien. Non. C'est juste des zones de farm. C'est tout, en fait. Donc j'avoue, c'est pas incroyable. Alors j'ai lu une petite news, hein, rien à voir avec Coral Island, hein, et les Farm Sim d'ailleurs. Il y allait avoir le premier raid sur Palworld. Alors il n'y a pas de date à d'annoncer, mais aucun raid pour le multijoueur, hein, j'imagine. Donc je trouve ça plutôt cool. Hop, le lait. Oh là, on a un paquet de ressources. Et enfin, on a ici pas que des œufs. Et on en a aussi un paquet. Bon, on va transformer tout ça. Ensuite, bien sûr, on ira au labo et au forgeron. On va faire les deux. Hein. Alors, du coup, ici, on va faire ça. La laine, je vais la poser là. Je crois que j'ai pas fait les câlins et les coucous, tout ça aujourd'hui. Ok, il nous manque la serre. Parfait.
Pour la laine, il faut prendre un tic-tac. Merci Sébastien. Tu nous fais une crise là quand même. Hein. Enfin, je sais pas si c'est un compliment, mais. Mais bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a de l'idée quand même. Il y a quand même de l'idée. On va mettre ça là. Et. Ah, c'est la banane comme ça et la poire. Je connaissais pas ces prix de vente là. Impeccable. Donc ça c'est fait. La ferme. Ah non, on n'a pas tout à fait fini. J'ai juste vérifié. Alors là-dessus, il faudrait que je mette des. Oui, c'est vrai. Est-ce que j'en ai pas d'avance? À première vue, non. Est-ce que je peux en craft? C'est ceci. Il m'en faut deux. Ah, vous voyez comme quoi que d'avoir des barres de bronze d'avance, c'est important. Donc là, j'ai tapé 6 barres de bronze. Donc 6 x 5, 30. On va en crafter 6. Voilà. Ensuite, on va mettre. Ah, on peut pas sur ces. Alors, sur cet arbre-ci. Il est pas assez grand, peut-être encore. Il est pas assez mature. Bon. Peut-être. C'est une possibilité. Je sais pas trop, là. Parce que là, je sais pas du tout ce qu'on va récupérer. Et là non plus. Mais lui, apparemment, je ne peux pas. On va le mettre là. Alors, le labo. Colonne vertébrale et un torse en fait, c'est il nous manque. Je vois rien de ressemblant à ce qui avec ce qu'il me faut. Et donc, rien de nouveau. Ensuite, labo. Labo, forgeron. Alors, on commence avec quel coffre? On va commencer avec les mystérieux, peut-être. C'est ceux-là qu'on a le moins. Que faut-il faire pour que les lamas apparaissent dans le jeu et les civettes? Il faut... passer ta ville, ton rang de ville, ah je vais y arriver, rang B, le rang B débloque, alors je pense pas qu'on puisse le voir là malheureusement, mais ça débloque pour l'instant les derniers animaux qui sont actuellement sur le jeu, voilà, donc c'est le, ça dépend du rang de ville Lydie. Donc les mystérieux, c'est parti. Ah. Bon, ça doit pas être ça, non, c'est, ça ressemble pas à ça, dommage. Et donc une fourchette, on cherche une fourchette, une espèce de gourde. Et j'ai plus de place, faut que j'aille revendre. Donc juste hop, on vérifie. Ok, on n'a rien. Et donc ouais, dès que tu auras passé ta ville rang B, bah tu pourras aller les acheter au marchand d'animaux, là où tu as acheté tous les autres. Et tant que t'as pas ta ville rang B, bah ils apparaissent pas quoi.
Ok, on y retourne. Alors, pour l'instant, on n'est pas bon. Ça a l'air d'être très difficile à avoir hein, comme item. Donc là, en fait, c'était pour la gourde. Maintenant, ok, on a eu la fourchette. Parfait. Alors, il faut quand même que j'ouvre tout. Hein. Pardon. Je m'étais décalé. On en a tellement. Ok, et là je peux plus. Donc là, on a la fourchette. Parfait. Je vais aller la donner au musée de suite. Coucou Agnès, comment vas-tu? Tu prends en cours de route? Ben oui. On a fait. On est sur notre deuxième journée là du live. Et je viens de récupérer l'un des deux artefacts qui me manque, à savoir la fourchette. La voilà. Du coup, quand on regarde les collections, il nous manque plus que cette espèce de gourde. Que je n'ai pas eu là. Hein. Par contre, je vérifie que j'aurais pas oublié de donner quelque chose. Apparemment, c'est bon. Ensuite, bah, on revend tout ça. Et on en a encore 41 à ouvrir. On va passer notre journée à ouvrir des artefacts et des coffres, en fait. Hein. C'est une bouteille d'eau. Ok. C'est ce qu'on m'avait dit la dernière fois. Moi, je trouve que ça ressemble plus à une gourde, mais... Donc, on peut aller revendre tout ça, ranger, et on va aller... Qu'est-ce qu'on fait sur cette journée, du coup? On va peut-être alterner mine, sous-marin, mine, sous-marin. Là, je pourrais pas tout vendre.
Ok, il n'y a plus de place. Donc on a dit qu'il nous fallait rien de particulier en minerai. Là en fait on veut farmer c'est les géodes qui est très compliqué à farmer. Hein. Salut Vic, bienvenue à toi, comment vas-tu? Du coup on peut aller. Où est-ce qu'on peut aller? Quelle mine on peut faire, tiens? Réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. Tiens, on va aller à la mine d'argent. Allez, on va démarrer au 5 et puis on casse tout ce qui nous tombe sous la main. Ah bah, trop tard, personnage. J'ai déjà choisi. Je suis désolé. Objectif principal, faire des géodes, mais en secondaire bien sûr on récupère aussi des artefacts, d'ailleurs on récupère plus d'artefacts que de géodes, et ça peut nous permettre d'avoir les fossiles qui nous manquent. Ok. Hey, salut Alexandre, comment vas-tu? Alors bien, j'ai très rarement l'occasion de tomber sur un de tes lives, je suis contente. Eh ben c'est cool Vic. Bienvenue à toi pour ta... Alors peut-être pas ta première sur un live, mais... interaction possible, hein. Je ne sais plus. Mais en tout cas, bienvenue à toi. Donc là pareil, hein, on pète tout. Et puis bah il faut croiser les doigts pour avoir des géodes parce que la géode c'est quand même compliqué à avoir. Hein. On va faire ça. Les trucs de monstres on va les mettre là. C'est quand même compliqué à avoir dans cette histoire là de... Eh bien, on n'aura pas eu grand chose encore. Salut Daniel, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Il y a plein d'arrivées, de nouveaux venus. Enfin, de nouveaux venus. De nouveaux arrivants aujourd'hui. Un petit coucou au loulou de l'ombre aussi. Je vous ai encore oublié en début de live. Décidément, je manque à tous mes devoirs. J'espère que vous allez bien aussi. Quand même taper cet animal là.
Et quelle heure? Il est 16h. Ok, tâche terminée. Suivant. Alors, très bien, et toi? Mais ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Merci, Daniel. Toujours pas de date de sortie pour la Switch? Non, toujours pas, Vic. Je regarde tes vidéos YouTube, mais j'arrive très rarement à tomber sur un live. Ça marche. C'est vrai que je suis en live les jours fixes, normalement, hors semaine spéciale, comme la semaine prochaine, les jours fixes, c'est toujours le lundi, mercredi, samedi, dimanche. Les horaires sont toujours 15h, 18h. En ce moment, je rajoute beaucoup aussi le vendredi en plus. Donc 5 lives sur 7 jours. Et je me garde le mardi et le jeudi en off. Parce que bah, moi, je bosse tous les matins. Et je consacre énormément de temps à la chaîne sur ce qui me reste de temps libre. Et du coup, je me garde quand même les mardis après-midi et les jeudis après-midi. La plupart du temps, en tout cas. Pour bah, des rendez-vous. Un peu de détente pour moi-même, ce genre de choses quoi. T'as pas remis ton costume de requin? Eh non, il est dans le coffre. J'ai remis ma traditionnelle salopette avec mon petit sac tout bizarre. Niveau stamina, on est bien. Ça va être certainement notre dernier étage. La caillasse ici. Ah, je l'ai pas tué. Hop, c'est bon. Eh ben pas mal. Alors du coup ça nous fait quoi ça? 11, 19, 25 fossiles, 13 géodes. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, lis-nous en ce moment sur le jeu, je m'amuse à faire toutes les recettes de cuisine pour savoir ce qu'il rapporte le plus et ce que je dois planter pour les faire. Je fais aussi les derniers events avant le mariage avec Eva la boulangère. Tu fais aussi les derniers events? Ah oui, pour débloquer l'accès au mariage, oui, oui, oui. Les petites cinématiques, là. Ah, merci, Chris. Ah, j'ai pas ouvert Discord encore. Merci, merci, c'est cool. Mince, où je vais? C'est pas par là, le TP, il est là. Oui, je suis fainéant, je prends le TP. Ouais, j'ai plus de grosse laine. Ah oui, j'ai plus de place. Aïe, aïe, aïe. Du coup, on va aller se coucher comme ça. On revendra ça sur la prochaine journée. Allez. C'est...
55 000 en vendant énormément de fossiles et d'artefacts. C'est assez fort, je trouve. On a vu un satellite tomber sur la ferme. Ah, c'est déjà arrivé, mais pas cette nuit. Ma douce et tendre. Ça, c'est pas prêt. Ça, par contre, oui. Ici, bah, je vais planter des graines sauvages. Il m'en faut, du coup, 6. Ensuite, on va vendre ça. Mince, j'ai récupéré une graine comme ça. Mais ça prend combien de temps à pousser, ça? 10 jours. Donc, on va la stocker, on va pas la planter. Ça sert à rien. On a des fleurs que je vais mettre ici. Alors, en même temps, des fleurs comme ça, j'en ai pas, mais... des iris. Au niveau de mes fleurs, j'ai pas forcément gardé de tout. Hop. Avec tout ça là. Non, pas toi. Tomate. J'en ai 5. Donc du coup les tomates elles peuvent aller ici. Et enfin, j'ai oublié de revendre ceci. Après, on a nos lingots qui sont prêts, les batteries qui sont prêtes aussi. On va pas faire sortir les animaux, donc du coup j'ai à m'occuper de rien. Sauf de Mira. On veut le voir, ce petit Elliot. Il doit se balader du côté du frigo. Ah bah bravo, du congélo plutôt. Ouais bah c'est du propre. Le bébé, bah, il va bien. Le seul problème en fait avec le bébé, c'est ce qu'on disait déjà mercredi, c'est qu'il y a zéro interaction avec. Donc en fait, bah, il est dans son lit. Parce que c'est même pas un berceau, c'est un lit, hein, je trouve. Et je vais vous le montrer après. Et on peut rien faire. On peut même pas faire un câlin par exemple. Juste un câlin quoi. Un clic droit sur lui, ça fait strictement rien quoi. Il y a zéro interaction quoi. C'est quand même un petit peu triste quoi. Tout dépend où se trouve le congélo. Ce n'est pas une cinématique, tout est tiré du jeu pour le trailer de RT Awards. Ok. Donc, un petit œuf ici. On va mettre... ça là. Et donc le bébé en fait il reste tout seul tout le temps, hein, c'est il est déjà capable de s'occuper de lui-même. Donc il est à l'étage, regardez, il est là, donc il dort, il fait que ça en fait, hein. Il fait que dormir et je peux pas, vous voyez qu'il y a pas le curseur qui se transforme en petite main, il y a zéro interaction avec, voilà, sachant qu'on pourra en avoir deux à première vue. Et puis bah voilà. Donc Elliot, vu que c'est son prénom, va bien. Oh! Attendez, j'ai rêvé. Alice qui passe le balai. Fait des trucs à vendre dans le coffre. Exact, Patrice. Ok, c'est la première fois que je vois ça. En même temps, en journée, je suis pas dans à la maison, donc. Oui, c'est dommage, mais ça arrivera plus tard, quoi. Ça arrivera plus tard, faut être patient.
Donc des trucs à remonter dans le coffre, oui, ici. Voilà. De toute façon, on va faire comme d'hab, hein. On va aller au labo, on va aller au forgeron. Là, c'est un petit peu routinier, mais on cherche vraiment à optimiser des journées un peu plus courtes et optimiser le fait que on cherche à compléter les collections. Les chambres sont trop mimi. Ouais, les chambres sont sympas, ouais. Mais graphiquement, le jeu est vraiment très joli. Il y a plein de détails, ça fourmille de détails. Il y a plein de choses. Ils ont vraiment donné un gros soin sur l'esthétique du jeu. Ça, il n'y a clairement pas photo. Hein. Donc, c'est parti. On veut du torse et de la colonne vertébrale. Alors on a du torse, est-ce que c'est les bons? Je ne sais pas. Oui. Oh, on a fini les fossiles. On a fini les fossiles, les loulous. Elle risque de refuser. Tu pourras peut-être le donner en offrande à la déesse. Je sais pas si Alice, elle sera d'accord. On a fini les fossiles, quand même, les loulous, là. Ça y est. Alors forcément, en farmant les coffres et les géodes, j'en aurai d'autres, des fossiles à ouvrir. Mais en tout cas, on n'en attend plus rien, des fossiles. Merci, Daniel. C'est trop cool. Une bonne chose de faite. Succès Steam, paléontologue, terminer la collection de dinosaures. Yes! Et du coup, on a. Ah! Bah voilà notre costume pour le reste du live. Allez, on sera en mode dinosaure pour aujourd'hui. C'est ridicule. Voilà, on est en mode dinosaure. Merci Lyriel. Au secours. Donc, on va aller revendre les quelques fossiles qui nous restent. Et sur cette pointe ridicule, on va aller ouvrir eh ben, nos géodes. Hein. Avec un peu de chance, on aura des nouvelles pierres. Non. Ce sera ici. Voilà. Donc le forgeron. Pourquoi Mira est toute seule? C'est un délire personnel, Lydie. En fait, Mira, je l'ai mise dans son poulailler toute seule. C'est son poulailler à elle. Elle le partage avec personne. Par contre, vu qu'elle est vraiment seule dedans, j'ai pas mis les trucs d'automatisation. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je vais lui faire le câlin et je ramasse son œuf à la main. C'est juste pour... voilà. Parce que souvent dans les jeux où il y a des poules et que je peux renommer les poules, il y a toujours une poule qui s'appelle Mira. Et là en plus, bah du coup, je l'ai mis tout seul. Donc, voilà pour la petite histoire. Une espèce de tradition un peu bizarre. Mais c'est comme ça. Allez, on croise les papates. Pour l'instant, on a du minerai. Améthyste et améthyste. Bon. Quartz bleu. Pierre de lune. Quartz bleu encore. Aigle marine. Pierre de lune encore. Et B, on n'a pas eu grand chose. Donc ça, on l'a pas. Et le reste, oui. On a quand même eu l'aigle marine. Donc on va pouvoir aussi aller donner au musée. Merci Patrice. Ton costume me fait penser à la chanson des années 80. Walk like a dinosaur.
C'est la choucroute de Soma. C'est la chouchoute de Soma, Lydie. Ah, Mira, oui, bah oui, c'est ma chouchoute, hein. Donc, on va aller donner ça au musée. Je vais vous laisser 10-15 minutes, mon père vient d'arriver. Ça marche, Gérald, pas de soucis, à tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Du coup, ici, hop, on a avancé de 1. Donc là, en fait, il nous manque une gemme. Là, 2 et 2. Il nous manque 5 gemmes en tout. Donc c'est ça. Hein. Non, 6 gemmes, pardon. Je n'ai pas compté. Et 9 et 6, 15. Ça fait bien les 35. On est pas mal, hein. On est pas mal. 2 insectes, il manque. 7 poissons, 2 bestioles sous-marines, un artefact vintage, et donc les 6 gemmes réparties sur ces 4 catégories. C'est plutôt Denver le dinosaure. Oui aussi. Enfin, je préférais la tête de Denver que la tête de celui-là. Hein. Ouais, bah voilà, Frédéric et Sébastien qui ont la même ref. Donc, on a fait... Sur la journée précédente, la mine, on va faire donc la flotte. Et donc là, on veut plus que des coffres mystérieux. Alors, c'est pas ceux qui tombent le plus souvent, mais bon. En voilà un. Ah bah encore un. On en a 5. On va faire ça. Des pierres. Ça ce sera pour revendre. Ok, on est bien. J'enlève ça. Et je suis arrivé de je ne sais pas où. Il y aurait au moins pu laisser le haut du costume en plongée. Un dino avec une queue de sirène, ça aurait été... Ça aurait été fou. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais... Mais effectivement, ils l'ont pas laissé. Ça aurait été fun, d'accord. Ah, ce fameux dernier mot du dernier commentaire qu'on peut pas lire parce que il y a des petites émoticônes de chat qui gênent. Et on va l'appeler Nessie. Je vais retourner bosser, je te dis à bientôt, bonne fin de journée. Merci Daniel d'être passé, bon courage pour le taf. Et à bientôt.
On enchaîne. Salut Kevin, comment vas-tu? Je suis nouveau, c'est quoi le but du jeu? Et bonjour à Limule. Eh bien ça va bien Limule aujourd'hui. Et toi, j'espère que tu vas bien aussi. Merci Daniel. Alors Kevin, le but du jeu, on est sur un farm sim. Le but c'est, on hérite ou on récupère souvent dans ce genre de jeu une ferme qu'il faut développer, faire des cultures, faire de l'élevage d'animaux, il y a du relationnel avec les PNJ, on peut donc se mettre en couple, avoir des enfants. Il y a tout un système lié donc à l'agriculture et à l'élevage des animaux, mais aussi en général dans ce genre de jeu, on récupère des items qu'il faut aller apporter à un musée, c'est un côté collection. Il y a souvent des mines pour récupérer les minerais, mais aussi il y a des ennemis. Là, je suis dans la partie sous-marine du jeu où je suis en train de farmer en fait des coffres qui renferment des items bien précis. Là, je cherche à avoir un dernier item pour ma collection de d'artefacts. Que justement je rends ensuite au musée. Et voilà, puis on avance dans les saisons et au fil des années, on essaye de faire de l'argent pour pouvoir acheter et améliorer nos équipements, nos tables de craft, ce genre de choses. Agrandir notre maison, voilà. Un peu tout ça. Et donc sur celui-ci, Coral Island, il y a une particularité, c'est qu'il y a le peuple des sirènes. Et non, là, on est donc sous l'eau, dans leur royaume, on va dire. Pour simplifier le truc. Et si tu connais des titres tels que Stardew Valley, My Time at Portia, My Time at Sandrock, voilà, ou plutôt sur console, les Story of Season, Harvest Moon, bah c'est dans le même, c'est le même style de jeu. Voilà. Et c'est très cool, effectivement. Moi, j'adore ça. Et depuis que je les ai découverts, ces fameux jeux avec My Time at Portia, justement, il y a maintenant plus de 6 ans de ça, bah. J'avoue, j'aime vraiment beaucoup. Alors, il y en a des bons, il y en a des très bons, il y en a des moyens et des moins bons. Hein. C'est comme tous les jeux. Hein. Il en faut, on va dire, pour tous les goûts. Mais en tout cas, c'est vraiment plaisant. C'est chill en plus, tu te prends pas la tête. Je continuerai à voir plus tard le reste. Bonne fin de journée à tout le monde. À bientôt. Merci Lydie. Et puis bah prends bien soin de toi, surtout. Hein, force et courage à toi pour ta lutte au quotidien. Et garde le moral, surtout. Merci beaucoup d'être passé. Alors, bah nous on continue notre opération déblayage. Hein. Ça va être notre. On va encore faire après celle-là, je pense qu'on va encore en faire une, puis on va rentrer pour pas rentrer trop tard et finir la journée tôt. Ok. Et on récupère un max de coffres. Du coup, j'étais parti à gauche. Donc en fait, il faut que je descende. Et on va faire notre dernière salle. Ensuite, on rentrera à la ferme, on ira ranger tout ça, faire dodo, et on attaquera une nouvelle journée. Voilà, on est bon. Donc au cumul, on a eu 13 coffres mystérieux, donc c'est ceux qui nous intéressent maintenant, hein, 35 pirates et 28 normaux, et en tout, on a eu 22 nœuds fossiles, qui, je rappelle, ne nous servent plus, vu que ça y est, on a récupéré tous les fossiles. Il y a plein de nouveaux dans le chat en ce moment, mais plus Nomi et Petit Ange. Ah, ils sont trop fatigués, ils jouent trop aux jeux vidéo, Linou.
Mais Nomi et Petit Ange, ils étaient là mercredi, non? Il me semble. Il me semble, hein. Donc, on range tout ça. Hop, on revend les pierres qui nous servent pas. Ah, et on a des varèches en osmium. Voilà. Du coup, on peut aller dodo. On boucle cette journée. Alors, mon costume de dinosaure est incroyable. Vous imaginez, mesdames, vous couchez à côté de votre homme habillé en costume de dinosaure? Est-ce que vous imaginez ça? Ce serait incroyable. Un pyjama dinosaure. Avec la tête et tout. Hein. Là, le même. Comme pour les enfants, mais pour adultes, en fait. C'est pas sexy, ça? Donc on récupère ce qui a poussé, on arrose ici, parce qu'on n'a toujours pas d'arroseur automatique ici, bien sûr. Hein. On pourrait rajouter d'ailleurs deux parcelles. De culture. Ah, ici on peut récupérer ça. Et ici on peut récupérer les papillons. Ça fera un peu d'argent. Bah, les requins, on les a mis il n'y a pas longtemps. Ça, c'est faire moitié. Ça progresse. Du coup, les animaux. Alors, je m'en occupe pas, mais donc... PTR, j'ai les mêmes IRL. Ma copine souhaite moins me coller. Plus de place dans le lit. Bah, tu m'étonnes. Hop. Pauvre Alice. Oui, bah oui, Alice va avoir peur en te voyant ainsi. C'est mort, il dort dehors, pour Personnail. Oh, t'es dur quand même, Personnail. Nomi a peur des crachats de lama. C'est pour ça qu'il est pas là, je pense. Donc on a enfin fini les grosses laines de lama. On va transformer du coup les petites. Et on va prendre deux comme ça. Donc la laine de mouton ici. La laine de lama ici. On met notre œuf là. On revend les animaux. Ça et les batteries, ainsi que ça. Les fleurs. Alors, les roses. On n'a pas de roses. On va se garder 5 roses comme ça. Du coup, ensuite, les roses qui restent, on peut les mettre là. La graine de rose, ça met 6 jours à pousser. Non, c'est trop tard, on est le 24. Donc, on la pose ici. Et les graines de café... Alors ça avance comment ici? Il reste ça à transformer, ça, ça. Il reste encore beaucoup de choses à transformer. Ouais. Alors ça et ça, ça se transforme pas là-dedans. Ça sert à rien que je le laisse. Pourquoi j'ai mis mon lait ici? Ah ouais, mais j'ai fait nappe en fait. Ça, pareil, le colza, ça peut pas se transformer ici. Pourquoi j'ai mis mon... Mon lait ici. Alors là, j'avoue, je comprends pas. Mais c'est pas grave. Du coup, les grains de café, ici. J'ai pas la place. Hein. J'ai pas la place. On va prendre ça là. Ça ici. Ah, le colza, je l'avais là, pardon. Parfait. Alors, je sais pas si ça,
se transforme là, ce que j'ai pris là, le petit pois, le soja et. C'est quoi ça? Le concombre, mais je vais quand même les mettre là. De toute façon, tout ce qui a transformé, on va le mettre là, comme ça on les a sous les yeux. On est bien. Les civettes, elles ont fait des graines. Et les cochons ont déterré des truffes. Bon, bah parfait. Que demande le peuple? Des meilleurs salaires. Voilà ce que demande le peuple. Et il manque une truffe, là. Dites donc, messieurs les cochons, là. On va déposer le foin et l'herbe. Et il faut que je transforme. Je sais pas au bon endroit. Je transforme ceci. Voilà. Direction le forgeron. Ah oui, ça fait. A dû faire un cauchemar. Ah ça, je sais pas ça. C'est les animaux qui vont avoir peur. Quoi? Je supporte ces ronflements de temps en temps, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu ronfles aussi, personnage? Alors, le jeu, il est pour l'instant que solo, Kevin. Mais il y a du multijoueur de prévu. Mais c'est pas pour de suite. Si on ronfle, c'est qu'on est en vie. C'est quand on ne ronfle plus qu'il faut s'inquiéter. Merci, Chris. Allez, ça a dû faire un cauchemar, ça je l'avais vu. Et moi je fais nuit quasi blanche quand il ronfle, surtout qu'il ronfle plus fort que plus fort chez moi que chez lui. Non, j'ai de la chance de ne pas ronfler. Es-tu sûr de ça? Parce que souvent les ronfleurs disent qu'ils ne ronflent pas. C'est bien connu. Moi je sais personnellement, je ronfle si je m'endors sur le dos. Quand je m'endors sur le ventre, parce que c'est une des positions préférées, ou certaines, ou sur le côté, je ne ronfle pas. Mais sur le dos, je sais que je ronfle. Ah, c'est les joies de la vie de couple, hein. Oh! Putain, mais je suis verni aujourd'hui, par contre. Bon, bah, on a fini les coffres. Je suis verni. On a eu la bouteille d'eau. Alors, je suis désolé, ils appellent ça une bouteille d'eau. Pour moi, c'est une gourde. Voilà. Sinon, c'est une drôle de gueule, la bouteille d'eau. Alors, j'ai plus de place. On va filer direct au musée. L'animation en plus de la du haut de la tête du costume de dinosaure quand on court et même quand on dash, elle est incroyable. Le truc qui remue comme les boules, qu'est-ce? C'est pour les oreilles, pas pour le nez. Et Chris, il a pas Nomi sous la main, du coup il s'est rabattu sur Persona quand même. Moi, je dis ça, je dis rien. Et donc, Success Team, souvenir du passé, terminer la collection d'artefacts. Yes! Et du coup, on a une nouvelle récompense. Ah, en plus, c'était le vintage qui manquait. Inventaire plein. Mince! Dégage-toi. Donne-moi mon cadeau. Alors, un haut à sangle. Et une. Et les déguisements, sérieux? Alors, juste pour voir. Hein. Ok, ça fait un peu... Ouais, j'allais dire Indiana Jones. Bon, peut-être pas. Et la coiffure... Oh là là, j'ai un look incroyable. Je la garde, en fait, cette coiffure. Bon, j'ai dit qu'on mettait le costume toute la journée, mais on remettra notre salopette avec ça, hein. Donc ça, du coup, je le laisse d'équiper. Ah non, mais je suis trop classe, en fait.
Et coucou Nadia, comment vas-tu? Alors non pas de couple chez moi, c'est une notion qui me colle la nausée. Ah vous êtes donc avec ton copain vous êtes ouais je vois ce que tu. Je commence à connaître ce principe. Tu t'es enregistré plusieurs fois pour être sûr, personnage? Qu'elle ronfle pas? Ça c'est ouais faut voir ouais. Pas besoin, il dort chez lui et moi chez moi et de temps en temps je dors avec lui et avant lui. Ah oui, pourtant dormir avant que lui ne se mette à ronfler quoi, en s'endormant quoi. Salut Christian, bienvenue à toi. C'est une bonne technique, personnage, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Et comme ça, vous êtes chacun chez vous, vous êtes tranquille. Ah bah, t'as bien raison. Après, peut-être que vous installerez ensemble. Après, je sais pas quel âge tu peux avoir, mais... Ah mince, j'ai plus de place. Ah, mais c'est pas possible, ça. Faut que je revende, faut que je revende. Il y a beaucoup de couples qui font ça maintenant. Hein. Chacun chez soi, et de temps en temps, le dodo en commun. Et puis bah voilà quoi. Salut petit ange! Comment vas-tu? En forme? On parlait de toi justement, petit ange. Incroyable, non? Alors je te rassure, rien de méchant. Hein. Non, ça non. Pas ça en fait. Les fleurs là. Pourquoi je les ai gardés? J'ai dû oublier de les mettre dans le... Ça ici. Ça ici. Les fleurs. On a les 5 roses. Et ça, j'en ai suffisamment. Donc, on met ça et ça ici. La petite tenue, là, la petite chemise, là, le machin, on le met là. Et on va aller continuer d'ouvrir ce qui nous reste sur nous. Putain, on a du taf. Hein. Je viens de voir que l'on peut avoir plusieurs tenues et passer de l'une à l'autre. Ah bon? Ah oui, d'accord. Exact. Mais du coup, il faut avoir les items en double, quoi. Si tu veux garder des trucs communs à toutes tes tenues. J'imagine. Alors après, il est vrai que je pourrais faire ça. Alors attendez, je pourrais faire ça. Et je pourrais faire du coup. Ouais, mais je me suis TP. Il faudrait que je reprenne ma salopette et que je la mette en tenue 1. Voilà. Installé en quoi? Non, ça ira, j'ai 43 ans. Donc du coup, oui. Ouais, vous êtes en couple. Enfin, non, t'aimes pas le terme couple, mais. Bah, t'installer, faire maison commune, c'est ça que je veux dire, personnage. Mais vous êtes plus dans l'optique, chacun chez soi, et puis on vit comme ça tranquille, quoi. Je vois très bien. Hein. J'avais des amis, que je ne côtoie plus, mais qui faisaient exactement la même chose. Ce ouais, d'une grande aide, merci à lui. Bah, de rien, Christian, écoute. De rien, de rien. Et coucou Nomi du coup. Ah les deux arrivent en même temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant Nomi et Petit Ange, ils arrivent en même temps. Moi je dis ça, je dis rien. Mercredi c'était déjà comme ça. Alors attendez, il faut que je reprenne le déroulé du chat. Bonjour Chris, tu sais accueillir, je reviendrai sur un live de Soma. Salut Nomi, j'avais pas vu. Viens par là, je suis prêt pour te cracher dessus. Chris, il sait accueillir les gens. Bah les nouvelles, petit ange et Nomi, c'est que j'ai fini la collection des artefacts et j'ai fini la collection des fossiles. Il nous manque plus que les géodes. Alors, ça vous embouche un coin, ça? Il y a anguille sous roche, moi je dis. Ouais, moi je dis aussi qu'il y a un truc là. Il y a un truc, attention. Il nous cache des choses les deux là. Ah, merci Nomi. Je viens juste d'avoir la gourde avant que vous arriviez en fait.
Maintenant, direction le labo pour ouvrir. Hop, les artefacts. Je suis presque déçu. Chris a retrouvé son Nomi chéri. Oui, parce qu'il avait mis le... Chris avait mis le grappin sur Personnaille. Enfin, il avait pas mal alpagué Personnaille. Et du coup, il va l'abandonner au profil Nomi. Quelle chance tu as, Nomi, quand même. Merci, petit ange. Ah, si tu es gentil avec Chris, je suis sûr qu'il fera un petit crachat de lama. Et il a déjà menacé, je crois. Donc là, en fait, on n'a plus qu'à farmer les géodes. Alors, on a eu une nouvelle pierre précieuse aussi. Tout à l'heure. Ok. Soma, pourrait-on avoir un salon Miss of Empire? Oui, bien sûr. Soma, est-ce que tu as loot des pierres précieuses? Ah bah je viens de répondre. Oui, j'ai loot. J'ai loot. Est-ce que je vais m'en rappeler? Le... L'aigle marine, je crois. Oui, c'est ça, l'aigle marine. J'ai looté celle-là. Donc des pierres précieuses, il nous en manque 6 encore. Et j'ai eu celle-ci. Bah de rien, petit ange, normal. Pourquoi je viens ici? Ça y est, moi je suis. Je veux rendre encore des trucs, des trucs, des trucs. Non. Là, faut que j'aille chez moi revendre les trucs. Et il faut qu'on aille à la mine. Alors, je sais plus qui avait dit la mine de feu tout à l'heure. Je crois que c'est Personnage, on va y aller justement. On va changer de mine. Tac tac. Allez, c'est parti. Ah! J'ai pas. On est le 24. Des trucs qui poussent en 3 jours, je crois pas qu'il y en a. Hein. Donc on replante pas, ça sert à rien. Qui peut me dire où trouver le chapeau du maire et les personnages? Merci. Le chapeau du maire, c'est ici. C'est ici, là. Là ou là, je sais plus. Dans ce petit creux-là ou ici. Enfin, c'est sur la plage complètement par là. Et les personnages, c'est pas en hiver. Et tu les ramasses par terre. Je crois. Ou on les cultive, je ne sais plus. Mais c'est en hiver. Je crois qu'on les ramasse, hein. J'ai un gros doute. Nomi va te dire ça. Voilà, sur la plage vers l'est, ça c'est pour le chapeau du maire. Donc la mine de feu. Et la personnage, ouais, je crois que c'est... Personnage en hiver rang C ou B ville, tu peux acheter les graines. Donc ça se plante, ok. Alors je pense que c'est C parce que B, j'ai, mon premier hiver, j'étais pas, ma ville était pas B. Alors pour les spécialistes du jeu, il n'y a pas d'autre méthode
de meilleures méthodes pour avoir des géodes hein, que de faire ce que je suis en train de faire, hein, on est d'accord. Parce que là, quand même, sur un premier niveau qui était full pierre, j'ai eu zéro géode, quoi. Alors, zéro, quoi. Donc, c'est pas folle dingo, quoi. Si, mais je doute que tu le fasses en live. Quoi, c'est un truc cheaté? C'est un truc de triche? Un truc de chinois, quoi? Ah! Voilà une géode. Oui et non, un peu de tricheur. Tu relotes ta journée quand tu as masse géode. Ah! Et on... Mais si on relote la journée, on... les géodes qu'on a eues, on les perd. C'est-à-dire que là, admettons que j'ai bien farmé, j'ai eu 20 géodes sur mon farm dans la mine. Qu'est-ce que je fais alors du coup? Je recharge la journée? Mais les 20 géodes que j'avais récupérés, je les ai perdus du coup. Ah, le retour de Gérald. Non, enfin je sais pas. Du coup, je vois pas l'intérêt en fait. Non, tu passes la journée. Je comprends pas. Tu passes la journée, ça fait une save. J'essaye de comprendre ton astuce, j'ai pas dit que je la ferai, hein, mais j'avoue, je comprends pas. Là. Et quand tu vas chez le forgeron ou au labo? Non mais tu parles petit chinois. Coucou Mrs. Beers, comment vas-tu? Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Si, ça y est, moi j'ai compris. Avec les dernières explications, j'ai compris. C'est-à-dire, j'ai fermé un géode, je vais au forgeron. Je les ouvre. Si j'ai pas ce que je veux, je reload la journée pour les rouvrir, sachant que l'ouverture est aléatoire. J'aurai pas les mêmes tirages. Et pour espérer avoir la chance d'en avoir. D'accord. C'est effectivement une technique un peu particulière. Mais enfin, le jeu le permet. Hein, donc. Bon, du coup, effectivement, je le ferai pas, mais d'accord. C'est bon à savoir pour ceux qui veulent jouer tranquillou et pas se prendre la tête à farmer pendant des heures comme je le fais dans la mine.
J'ai compris. Bah ça va bien, Mrs. Pierce, merci. Oui, c'est la raison pour laquelle tu le feras pas en live. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, ça va bien me connaître, Nomi. J'ai pas la bonne arme. Ok, je reste dans les AOE, pourquoi pas, hein. Donc sinon, il n'y a pas d'autre méthode, on est bien d'accord. La misère des géodes. Ah, on vient d'en avoir une. Bon, par contre, on fait du minerai, on fait plein d'autres ressources, hein, mais c'est vrai que là, chaud quoi. Ok. Oh, il est 23h, j'avais pas vu l'heure. J'apprécierais peut-être la prochaine fois, Nomi, nous dit Linou. Bah ouais, ça se tente, hein. En gros, J1, tu mines, J2, tu vas voir et tu rage-quittes. D'accord. Sachant que les coffres sont aléatoires, tu vas casser du caillou. Non, je suis pas à la main, il faut bien t'embêter un peu. C'est sûr. Ok, ok, ok. On va quand même prendre ça. Et on va aller direct, doudou. Alors, combien on en a eu, Geode? Cette bonne blague. On en a eu 8. Putain, c'est chaud patate, quand même. Je suis pas venu sur le live de Sora pour s'offrir, non mais oh. C'est parce qu'on t'adore, Domi. Puis moi je t'embête plus trop, hein. Je suis sage, contrairement à Chris. Chris il est vilain. Je suis pas une victime d'abord. On a passé les 200 minerais d'osmium. Juste en farmant comme ça les cailloux, quoi. Ça, je pourrais le mettre en bas. Ok. Bah, go dodo, hein. Chris, il s'arrête jamais. Laisse-le tranquille, Chris, un peu, Nomi, s'il te plaît. Non, mais... Kalinou, Akodi, Kalinou et Alice, bien sûr. Oui, tu es marié, oui, oui. On va aller voir si Elliot va bien.
Il dort, hein, il n'y a pas de souci. Il ne fait que dormir, il ne mange même pas. Il est très économique, hein. Pas besoin de le nourrir, pas besoin de le changer. Il est incroyable, ce gosse. Non. Ah, on a, ça y est, deux requins. Ça avance tout doucement, mais ça avance. Et donc sur ces arbres, c'est juste de la résine normale. Donc on est sur un sapin, hein, comme celui-là. Du coup, c'est de la résine aussi. Bon. Eh bien, ma foi. Pourquoi pas? Donc les poivrons et les mûres, on peut les mettre. Alors, je sais pas si... tellement loin à se faire là les... Il faut que je voie s'il me fait les grains de café, s'il me les transforme. J'ai envie de tester ça. Et de l'autre côté, on va mettre ça. Ça les prend. Les poivrons. Oui, ça les prend. Ok, ok, ok. Donc, on n'ouvre pas aux animaux. On va juste aller voir Mira. Vu qu'il pleut. Ils aiment pas hein, quand on les sort et qu'il pleut. Ils sont tristes. Ils sont tristes, ils sont tristes. Bonjour Aurélie. On t'avait pas vu encore aujourd'hui? Il me semblait pourtant. Comment vas-tu? Les langes ne sont pas encore implantées, c'est pour ça. Ah bah oui, là, clairement, on manque des trucs. Hein. Il manque clairement des choses. Ça, je vais revendre. Ah si, j'ai aussi mon œuf. Question, qu'est-ce qu'on peut faire avec le gingembre? Est-ce que le gingembre se transforme? J'aimerais bien savoir aussi, en fait. Parce que j'ai du gingembre un peu pas à droite à gauche mais presque. Alors moi mon ma géode, c'est du gingembre mine de rien. Ah apparemment je m'en suis débarrassé. Je pensais que j'en avais plus que ça. Et le ginseng, pareil. Hein. Je vais bien, j'ai été faire mes courses. Et toi, ça va? Oui, ça va, merci. En confiture? Moi, c'était ce matin, Aurélie. T'as fait tes courses ce matin, Gérald? En confiture. Ouais, je vais mettre là, alors. Ah, si ça se transforme. C'est pas ce que je voulais faire. Comme un idiot. Hop, voilà. Donc, on va aller direct ici. On va croiser les doigts pour avoir des nouvelles pierres. Mais bon, on n'a pas beaucoup de géodes. Hein. Gingembre et ginseng font du jamou en cuisine. Teaser pour dimanche. Enchroudid avec Soma, Mira Dark et Chris le Lama. Préparer le popcorn, les chips, l'apéro, on va bien rire. Hein, Chris? Et pour l'instant, en Belgique, il n'arrête pas de pleuvoir. T'es de Belgique aussi, Aurélie? Donc, comme Céline et comme Bella. Ah, il est un peu trop tôt. Il y avait longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'arriver au forgeron avant l'heure, quoi. Ok, dans quel coin de la Belgique? Liège. Bon, bah, parfait, t'as répondu à ma question.
Alors, ça on a déjà. Ça on a déjà. Ah, topaz, peut-être pas. Peut-être pas. Rhodonite, je crois qu'on l'a. Quartz rose, on l'a. Et du minerai d'argent. Ah bah si, on l'avait déjà. Ok, donc rien de nouveau. Ah, les pierres précieuses, c'est compliqué. Hein. Moi, en Normandie, il pleut aussi. Il y a pas mal de Belges. Oui, bah c'est la deuxième communauté de la chaîne, hein, la Belgique. Après, je sais plus si c'est la Suisse ou Canada. J'ai envie d'aller voir ça de suite. J'ai fait une pause stat. On va dire sur le mois de mars, tiens. Données d'analyse. Mars. Audience. Alors, France, Belgique, Canada, Suisse, La Réunion. Voilà le quintet dans l'ordre. Belgique, quasiment 6%. Hey. Pas mal. On a une chute, par contre, sur la... Tiens, c'est rigolo, ça. Enfin, c'est rigolo, non. Mais on a une chute sur le... la part entre les hommes et les femmes. Les femmes ont baissé, quoi. Et ça donne quoi sur l'année 2024? Ah oui, ça a bien baissé même. Ah quoi, je dis peut-être des bêtises. Non, ça a augmenté en fait. Et sur l'année 2024, c'est en cinquième position, c'est pas la Réunion, c'est l'Algérie. Bonjour au Maghreb et bonjour aux Algériens du coup, s'il y en a. Je sais pas s'il y en a sur le chat, mais... Bonjour à eux, à l'Afrique du Nord. Ok. Voilà, petite parenthèse statistique de la chaîne. Hop, on est reparti. Je suis reparti à pied. Pourquoi pas. Donc là, on va focus que la mine, les loulous hein, et les pierres précieuses. Alors, enfin, pour avoir des géodes. Alors, est-ce que j'achèterais pas des explosifs et que j'essaierais plutôt de faire tout aux explosifs? Ça pourrait être pas mal. En Eure-et-Loire, il y a de l'orage. T'as mis un beau costume. T'as vu ça, Aurélie? Incroyable. Hein. Moi aussi, je suis de Belgique, à Bruxelles, près de Zaventem. Alors, Zaventem, je ne connais pas. Bruxelles, bah forcément. Hein. Ok, Nadia. Bah, encore une Belge en plus. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Moi aussi, je ris jaune. Avant, en province de Liège, maintenant en province de Luxembourg, pas loin de Sedan, en France. Ok, Björg. Alors, Luxembourg, c'est... j'y ai jamais été, en fait. J'ai eu ma fourchette et ma gourde, Aurélie. Oui, regarde. Fourchette et gourde. On a fini les artefacts et on a fini les fossiles. J'ai eu mon torse de brontosaure et ma colonne vertébrale de brontosaure. Et on s'est aussi aperçu que j'avais pas donné mon crâne de mosasaure. Je l'avais déjà eu, mais je l'avais pas donné au musée. Ainsi qu'un autre crâne, je ne sais plus lequel. Donc en fait, pour le musée, il me manquait 4 fossiles, même si sur cette fenêtre-là, il m'en manquait que 2. Donc on a vraiment bien complété. Et au niveau des gemmes, on n'a eu que ça pour l'instant aujourd'hui. Voilà, il nous manque toujours bien sûr la noix de coco qui doit être automnale, la noix de coco de l'automne. Et puis bah, on aura fini cette catégorie. Après, voilà, il nous manque 6 poissons, 2 insectes et 2 créatures de la mer. Donc on est plutôt très bien, je trouve. Moi, je suis à l'ouest. C'est un jeu de mots, personnage, ou... Hiver, la noix de coco? D'accord. La province du Luxembourg en Belgique, pas le Luxembourg. Ah! Ah bah je connais encore moins ça, alors, du coup. Je savais pas qu'il y avait une province du Luxembourg en Belgique, pardon. J'avais mal compris. GG, et c'est bien les coffres que je t'avais dit? Oui, tout à fait. Tout à fait, Aurélie. J'ai eu la fourchette dans les coffres de pirates et la bouteille d'eau dans les coffres mystères. Bien, mes cousins sont aussi dans la province du Luxembourg, entre Oufalise et Gouvy. Moi, je connais surtout le Mont Noir, où j'allais, quand j'étais petit, j'allais manger des crêpes au chocolat. C'était trop bon. Alors, c'est à la frontière française, hein, mais c'était trop bien.
C'est des bons souvenirs que j'ai de la Belgique. Du Cresson. Alors, on a dit. Ah, j'ai pas ouvert mes. Oui, j'ai pas ouvert mes fossiles. Ouais, t'as vu, c'est cool, Aurélie. C'est la première fois que je suis en retard sur ton live. Bah, c'est pas grave. T'inquiète, hein, c'est pas. Eh, on a notre vie, hein, tous. Hein. Alors, un jeu de mots, et oui, non, limitrophe Bretagne. Ouais, donc il pleut chez toi, du coup, personnage. Ok, comme ça on va revendre ça et ensuite on va aller à la mine. Alors je sais pas, on va changer, on va aller dans la mine chercher la mine de la terre pour avoir de l'or. Et surtout avoir d'autres types de géodes. Seulement sur les comptes, tu veux tester? Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? T'as craqué personnel ou quoi? A craqué. Elle a craqué. Hein. Je lui avais dit qu'elle avait du caractère. Hein. Alors, ça, hop, on balance là. Ça, on balance là. Et bien sûr, les graines. Je commence à recultiver 50 000 graines sauvages. km de chez moi, là où il y a les cousins de Chris. Je pense que Chris a une mauvaise influence sur Persona. Ah, je sais pas, mais elle a craqué, quoi. C'est la craquance. Ah, j'ai oublié de regarder les dynamites. Ah ouais, là, il y a moyen de faire péter des trucs, là. Là, il y a moyen de faire péter des trucs. Là. Par contre, est-ce qu'en faisant ça, on a souvent des géodes? Je suis pas sûr. Hein. Là, on a eu que dalle, que pouic. Parce que j'ai quand même mes bonus pour avoir des trucs sur ma pioche. Je sais pas en faisant péter de la dynamite. Hein. Non, non, mais je te rassure, je suis très mordante au naturel et là je suis calme. Alors en tapant les cailloux normaux, on a quand même souvent des procs aussi de minerais, hein, de la dite grotte dans laquelle on est. Ok, on est bon. Suivant.
Heureusement que tu as des enchant-outils. Rappelle-toi au début que tu avais que dalle. Ah oui, c'est clair. Par contre, c'est quand même la grosse galère pour les géodes. Hein. On a plus souvent un proc de minerai qu'un proc de géode. Hein. Même les fossiles, on en récupère masse hein, avec les enchantes là. Mais les géodes, c'est pas la même histoire. Les devs ont rendu la récupération de géodes vraiment très difficile. Hein. On descend. Les bretons disent qu'il pleut seulement sur les cons. Pas mal, Vic. J'avoue, c'est une bonne expression. En plus, c'est vrai qu'on dit tout le temps, il pleut tout le temps en Bretagne. Mais il pleut pas plus en Bretagne qu'ailleurs, en fait. Mais c'est les trucs comme ça, quoi. On aime bien se moquer des bretons pour ça, quoi. C'est qu'ils le valent bien, non? Mais pas un délire comme ça? Qui aime bien châtie bien, tout ça, tout ça? Il y a bien des cons qui tapent en boucle des cailloux sur des jeux vidéo, hein. Je vais vous dire, des cons, il y en a partout, hein. Mais tant qu'on s'amuse et qu'on fait de mal à personne, après, bon, on est bien là. Il vaut mieux en rigoler que se prendre la tête. Hein. Ah! Avec la houe, ça va être plus compliqué. Je fais n'importe quoi, j'appuie sur n'importe quoi de mes touches. J'ai perdu les touches de mon clavier, ça y est. Il est quelle heure? 18h20, c'est le dernier étage qu'on fait, on va essayer de le finir quand même. Bon, il reste pas grand chose, ça va. On est bien là. Alors est-ce qu'on va avoir de la chance sur l'ouverture sur ces géodes? Un petit peu de chance, autant qu'on en a eu sur les artefacts et les reliques, enfin les fossiles, pardon. Ce serait cool. Ce serait cool. Bisous tout le monde, je prends le route du retour, je regarderai la fin plus tard. Et PS, purée en Dordogne, on a notre dose de pluie aussi. Bah, chez moi, dans le Lot, il fait bon. Enfin, à moins que ça ait changé là depuis que j'ai commencé le live. Il n'y a plus l'air d'avoir de soleil, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il pleut? Je sais pas trop. T'es en train de dire que les gens au soleil sont gentils? Pouf, alors là. Eh bien, en tout cas, merci d'être passé, Natou, ça fait plaisir. Et bonne route de retour, surtout. Tout ça, mais dans le coude, s'il te plaît. Tellement que tu vas vite, j'ai l'impression que ton personnage tape avec sa tête. Mais en plus j'ai un boost là pour le farming avec ça. Augmente la vitesse d'utilisation des outils. C'est pour ça que mon perso il va très vite, c'est à cause de mon anneau. C'est pour ça. Ah je suis coincé. Et puis avec l'animation de la tête de dinosaure du costume là, c'est sûr que ça amplifie le truc. Alors, on va récupérer ça, tiens, et on va relancer. On va relancer. Je les avais pas mis là, je les avais mis là.
Voilà. On va revendre les pierres. Hein. C'est les pierres. Hein. Au bout d'un moment, je ne saurais plus quoi en faire. Hein. Donc on a eu 15 géodes. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Alors c'était pas la mine de terre. Je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, pour les minerais d'or, c'est la mine du vent, en fait. J'ai ça aussi à ranger. Ça, hop, on va le revendre. Et du coup, on va faire ça. Mince, et ça. Voilà, et go dodo. Allez, on est le 25, on va passer en journée 26. J'avoue que si on pouvait être à la fin de l'été, pour la fin du live, ça voudrait dire que lundi, on attaquerait l'automne. Ce serait pas mal. Faisait beau, et là, ça tourne à l'orage chez toi, Chris? Alors, c'est marrant, il y a des fois, il n'y a pas Alice, en fait. Hein. Quand on sait, elle est déjà partie. Et forcément, elle s'occupe pas du petit, vu qu'il n'y a pas d'occupation à faire au niveau du bébé. Qui restera éternellement un bébé, d'ailleurs. On a du courrier, tiens. Il y avait longtemps. Alors, chers résidents de Starlet City, rejoins-nous au nettoyage de la plage annuelle qui a lieu demain le 27 en été à 9h. Unissons nos efforts pour nettoyer les déchets participants ensuite. À des jeux amusants, les maillots de bain sont recommandés, mais pas obligatoires. Boissons fournies. Ok. Et on n'ira pas, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, puis on l'a déjà fait. Donc, du café. Alors, on se demandait si... Alors, là, ça n'a pas changé. Et les murs... 3, 6, 8... Jus de citrouille... Et je sais pas du coup. Je sais pas ce qu'il ferait pas. Ah ! Non, il fait juste défiler, mais... Et ici... Ici, on avait mis quoi? On avait mis un gingembre, non? Alors, gingembre, ça fait quoi? Ça fait ça? Ah non, gingembre mariné. Ok, le gingembre se transforme là-dedans. Et du coup... Ah, retenir tout ça, hein, par contre... J'ai bien envie de tester le... Le ginseng. Ouais. J'ai encore eu du café, mais du coup, je sais pas s'il me le transforme, mon café. Je sais pas s'il me le transforme. Et ça, ça n'a rien à faire là, encore une fois. Ensuite, tu préfères Coral Island ou Palia? Je dirais Coral Island. Pour la pluie, c'est depuis ce matin. Beau ce matin et tourné à la pluie maintenant. Ah ok, il y a eu beaucoup de beau temps au matin. Et moi, le soleil est toujours là en fait. Il vient de revenir là. Ça s'éclaire d'un coup chez moi là. Depuis ma cuisine.
Donc chez nous, dans le Lot à Cahors, il fait toujours beau quoi, pour le moment. C'est plaisant. C'est plaisant, c'est plaisant. Je me suis trompé. Moi, je n'ai pas de PC. J'ai l'impression que ce jeu est plus complet. Je trouve aussi, oui. Après, c'est pas les mêmes styles. Hein. Mais Palia est très sympa. Hein. Mais c'est vrai que j'ai plus vite lâché l'affaire dessus que Coral Island. Alors, je vous cache pas que quand il y avait eu les annonces des devs comme quoi la sauvegarde de l'Early Access serait pas compatible avec la sortie de la 1.0, j'étais pas super enchanté, j'avais dit oh, je ferai jamais de saison 2 et tout, puis au final en fait le jeu est tellement bien que j'ai vraiment envie de le faire à 100% quoi. Palia c'est plus MMO, oui tout à fait oui. J'ai vraiment cette envie de le faire à 100%, en plus on le fait qu'en live, donc franchement c'est cool quoi. Puis ça marche bien hein, les lives Coral Island, donc vous avez l'air de vraiment bien apprécier le jeu, donc... Préparez-vous à la canicule d'été, on a eu un hiver doux. Ouais, si ça tombe, on va avoir un été pourri. Hein. FDR, mon chien est grimpé sur les genoux de ma mère. L'orage vient d'arriver, il flippe totalement. Oh, le pauvre. La canicule, je n'attends que ça. Ah, moi, je déteste. C'est la période de l'année où je suis le plus triste, hein, l'été. Je supporte tellement plus la chaleur que c'est une catastrophe pour moi. Moi là je suis en t-shirt en ce moment, hein. Ça fait 3 jours là où on a 21-22 l'après-midi. Hier après-midi je suis allé me balader sur les quais du Lot, là en bord de Lot. C'était super agréable. Et moi ça me convient parfaitement, hein, les températures comme ça. Ah j'ai plus de place. Coucou Caro, comment vas-tu? Oui, j'ai plus de place, j'ai dit. Alors, les prix de vente. On connaît tous les prix de vente. Ok, donc on va ranger. Les œufs, c'est ici. Et donc du coup les... Voilà. Donc on va ramasser les fruits qu'on a laissés dans la serre. Alors après c'est vrai que quand on habite dans des... Dans des régions ou des départements où il pleut souvent, c'est vrai qu'on a envie de voir la pluie, le soleil rapidement quoi. Moi le soleil là, je vous dis, on l'a depuis quelques jours, il fait super bon quoi. Coucou Léoma, comment vas-tu? En forme? Et du coup, et voyez, 21-22 degrés, moi ça me convient parfaitement quoi. C'est agréable, le soleil il chauffe bien quand on est au soleil. On n'est pas écrasé par une chaleur étouffante, il fait bon. Moi je dis 25 degrés max, ce serait, on aurait ça toute l'année, 25 degrés ce serait incroyable. Enfin, moi je parle pour moi. Hein. Moi des 35-40 degrés, moi je supporte plus. Hein. Même 30 degrés ça commence à être limite, donc c'est trop chaud. Ah ok, on a fini ceci, qu'on doit normalement donner à la déesse. Parfait. Il faut qu'on aille aussi ouvrir nos pierres précieuses. Ça vaut hyper cher sans être transformé en fait. Hein. On est à 4 là. Ah, ça marche peut-être. Ouais, grain de café, ça marche. Hein. Ouais, ça marche. Ok, bon, on va faire ça du coup.
Je suis rassuré au niveau de ma question que je me posais. Et... T'es pas là. Là, on est bon. Alors, on va aller à la DS de suite. Ouais, 32, je meurs. À moi, à partir... Ouais, j'adore ton costume. Merci, Loma. On l'a récupéré en récompense d'avoir fini la collection des... c'était des... Ah mince, des artefacts. Et on est à 4 sur 5. Il nous manque l'huile de truffe blanche, mais que je ne peux pas faire. Pour l'instant. Le plus chaud pour moi, c'est 56 à l'ombre. Ouais, mais t'as tellement voyagé, toi, Chris. Quand tu auras fini tout dans la DS, à la fin, tu auras un drôle de bonhomme. On verra ça, Aurélie. Aucun danger ne l'impressionne, les coups du dur, il affectionne, la justice la passionne, Chris, le lama ne craint personne. Merci pour cette reprise, Nomi. Incroyable. Linou, c'est mon chat, il était couché sur le balcon, il est rentré tout gonflé. Il est bizarre ton chat, Gérald. Allez, c'est parti. Direction Forgeron. Pour ouvrir nos géodes. C'est quand même un peu la priorité du moment. On approche du million, hein, les loulous. Aussi. C'est un autre objectif. Je m'étais un peu mis en tête pour le live. J'en avais pas parlé, mais... Bon, on va commencer par les mystères. Bon, rien de spécial. Hein. Et c'est parti. Ça commence bien. Ça continue... Ah, la jade, peut-être. Une serpentine de l'ambre. Encore une jade. Encore une serpentine. Ok, la serpentine, on l'a pas. La jade non plus. Bon, deux nouvelles pierres précieuses. Qui viennent de la mine d'or. Donc, de la grotte du vent et donc avec des géodes de vent. Alors, peut-être qu'il y en a un peu plus. C'est une possibilité. Elles étaient classées où là-dedans, là ? Là et là. Il en manque plus que 4. Rattraper 1,3 million du début. Ah, on s'en rapproche. Hein. C'est vrai qu'on avait commencé le jeu avec 1,3 million. Mince. Soma, il n'est pas dans le profit. Pourquoi? Ça considéré, je me transforme en flaque. Ah, mais moi, je suis une loque. Hein. 56 degrés, je... C'est la décédence. Hein. Alors, 325 items rendus. On a une nouvelle récompense qui est un sac à dos piquant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Avec une raie, en fait. Ah non, mais mon sac à dos. Que du coup, je n'ai pas. Faudrait que je fasse ça. Non, celui-là est mieux, quoi. On va le mettre là. Ah, il est à moitié dans le costume, en fait. On le voit pas très bien. Ouais, là, c'est mieux. Ah non, je préfère clairement celui-là. Ok. On va aller le ranger avec nos... Alors là, je suis torse-poil. Hop. Ça dépend si je peux barboter dans l'eau ou pas. Soit je décède, soit je barbote. Ça fait 26 épisodes que je te propose d'élargir tes champs. Et j'ai prévu de le faire, là. Enfin... Pour l'été. L'automne, pardon. Mais après, franchement... Je pense que j'ai moins de machines que vous. Donc du coup, l'utilité de faire plus de culture, tout nu, tout rosé. Ouais, c'est ça, Aurélie. À cette température, tu fais cuire des œufs sur le capot du 4x4, quoi. Ouais. Tu sais, je vois pas trop le... Je vois pas trop le délire, Nomi. Si tu vois ce que je veux dire, quoi.
j'ouvre les fossiles aussi. En même temps, les fossiles, c'est pas ma priorité. Hein. Allez, hop. Donc, il est 13h. On va retourner à la mine du vent. Ton max de mémoire, c'est 30k. Ah non, j'ai fait plus. Combien j'ai vendu la dernière fois? J'ai passé les 100k la dernière fois, Nomi. Sur une journée. Et j'en ai fait une autre à 90 et quelques. Haha! Et alors? T'as quoi à dire contre ça? Non mais... pas possible ça. Haha! C'était 120 hein, ou... Ouais mais c'est parce que en fait, je t'explique quand même, je te donne l'explication, c'est parce que avec l'automatisation, j'avais stacké beaucoup dans les trucs et j'ai tout revendu le même jour en fait. Voilà. C'était pas la production du jour quoi. C'est la production de plusieurs jours, pour être tout à fait honnête. Sur la saison 1, je faisais des journées à... Ça, je crois que ça m'est arrivé des journées à 40k plus. Mais après, l'argent, là, j'en ai plus besoin, en fait. Hein. J'en ai plus besoin de l'argent. J'en ai clairement plus besoin, quoi. Ok. Faut être là à tous les lives, Nomi. Ouais, hier, il était là hein, mercredi, mais parce que c'est mercredi qu'on a fait ça. Hein. Mais il n'était pas arrivé encore, je crois. Quand on l'a fait, cette petite technique. Hein. On va essayer de finir la journée plus tôt là pour passer au 27 et finir sur la journée du 28 le live. Ok. Alors, remettons en place comme j'aime le faire. Pour l'instant, on a eu 2 géodes de vent. C'est pas terrible. Faut que tu achètes des dynamites version 3. Super, j'ai vu ton chien dehors. Oui, il bouge un petit peu plus maintenant, les animaux. Je veux pas savoir, tu es mauvaise langue avec Soma, donc tu te fais tirer les oreilles. Ça va, Persona, et ce moment, petit ange, abuse de personne la nuit, sachant que l'on a 7 heures de décalage. Mais c'est que t'aimes ça, Nomi. Je crois qu'il joue à Dynasty World. Je suis en train de mélanger les noms. J'ai fait un mélange de Medieval Dynasty, de Myth of de Medieval Dynasty et de Palworld. Dynasty World. Alors qu'il joue à Myth of Empire quand même. Fou. Je m'en fous, je reste la caille préférée de Soma. Ah, il joue peut-être encore aussi à Palworld. Hein. C'est Myth Empire. Putain, moi j'ai quand même pensé à deux jeux.
Enfin, j'ai pensé à un jeu et j'ai fait un mix de deux autres jeux, quoi. Ça tourne pas rond quand même dans ma tête des fois. Dynasty World. En pensant à Myth of Empire quand même. Ça a aucun rapport. Hein. J'en reviens pas moi-même en fait. Incroyable. Alors le problème des dynamites, c'est que j'ai pas l'impression que les dynamites nous font proc des géodes en fait. Hein. Donc ça va vite à nettoyer les cailloux, mais si on récupère jamais de géodes avec la dynamite, l'intérêt... Viens ici. Ah, j'en ai deux d'un coup là. Ok, ça nous fait. Ah, c'est pas énorme, 6 géodes de vent seulement. Oh là là. Allez, on se rentre. Il me fait rire ton personnage. Il est classe. Hein. Après, je remettrai au prochain live, je remettrai la salopette. Mais quand on a un déguisement délire comme ça, autant le porter tout le long du ce qui reste du live quand on le récupère quoi. C'est rigolo quoi. C'est rigolo, c'est rigolo. Du coup, Soma, en parlant de Palworld, ton serveur se termine ce week-end? Alors là, j'avoue. Tu me poses une colle. Je l'avais renouvelé, effectivement. J'ai Portal. Peut-être que je trouve pas, j'ai Portal. Il est là. Alors, le temps que la page s'affiche, j'ai le temps de revenir en jeu. Oh, bah, ça a été vite aujourd'hui. Serveur de jeu. Ah, je suis pas connecté. Connexion. Mes serveurs. Palworld. Non, il y a encore 12 jours dessus, Nomi. Donc on est le 15, il va encore jusqu'au 27 mars pour le moment. Le 27 mars. Allez, on va gogo dodo de bonheur. Top top, merci, mais de rien. Du coup, sûrement en parlant de... Oui, ok, je me relis une deuxième fois. Bah écoute, de rien, hein. Profitez-en. Je crois que vous êtes plus ou moins les derniers à jouer dessus, hein, donc... Chasser niveau 9. Nouvel objet d'artisanat. Odeur de créature de l'océan flottante. Ok. Qu'est-ce qui, en faisant la mine, nous a permis de gagner de l'XP avec le fil à papillon qu'on n'a pas utilisé? Assez bizarre. Mais bon, tant mieux. Et un petit 8000. On n'a pas vendu grand-chose. Il me semble que l'on ne t'a pas vu toute une journée avec ton costume de panda. Costume de panda? J'ai pas de costume de panda, si. Je sais plus. J'ai un costume de panda. Je vais aller voir. Tuer les mobs. Tuer les mobs, ça fait monter la chasse. J'aurais pensé au combat, moi, mais... Alors, on avait mis le croco, là. Le requin. Ça, c'est pas un costume, hein. Non. J'ai pas de costume de panda. Qu'est-ce que tu racontes, Chris? Et le requin, je l'avais gardé tout le live quand je l'avais récupéré.
Ah, il me semble. Ah, bah, je crois. Non, je crois pas. Il traîne pas dans un autre coffre. Hein. Je pense pas, non. Je pense pas, je pense pas. Du coup, tiens, je viens de remarquer que j'avais pas récolté ça. Bah, enfin, c'est normal, on commence la journée en même temps. Et on a eu des graines. Bon. Arrosage. Alors ça, est-ce que ça aura le temps de repousser sur la dernière journée, vu qu'on est le 27? Pas sûr. On a ceci, ceci et ceci qui est prêt. Alors lui, est-ce qu'il est mature maintenant? Faudrait que je réessaye de mettre un machin, hein. Vu qu'en début de live, ça n'avait pas du tout marché. Et je serais d'avis d'essayer de faire une grosse journée de vente. Donc on va tout récupérer. Comme la dernière fois. Hop, il reste que ça à transformer. On est d'accord que ça. Ouais, c'est bon. Caramboles. Alors, est-ce que j'en ai des caramboles quelque part là? J'en ai 5, donc on peut déjà les placer ici. Les graines, on les met là. Ok, on va revendre tout ça. Pas mal, pas mal, pas mal tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, encore de ça qui est prêt. Alors non, pas ça par contre. Hop! Ok, c'est pas mal. Combien de places il nous reste? Il nous en reste 4. On va prendre des trucs qui tâchent là un peu là. On va prendre ça et ça. La maillot. Et j'en ai encore 2. Là j'en ai 13. Et dans les miels. Alors j'ai pas de miel qui en fait des grosses quantités. On va miser là-dessus du coup. Et on va prendre. Allez, les tournesols se transforment quand même en miel. D'accord. On pourra en faire de l'huile ou du miel. Ok. Ok, ok. Bon bah voilà, le coffre est plein. Du coup. Ok, est-ce que je peux le fourguer, ce tissu en or là? Non, dommage. En même temps, j'ai ça, ça vaut. Ah, ça vaut 160, mais ça vaut 940, il n'y a pas photo. Après, on a des trucs, on n'a pas forcément les prix, hein, mais. Ça vaut hyper cher. Ça vaut 1400. À mon avis, transformé dans le fût de vieillissement, ça doit valoir un paquet aussi. Hein. Ensuite, on va faire sortir nos petites bêtes. Quand même. Ah.
Alors, salut tout le monde, salut Noriox, bienvenue à toi. Et pour ma part, je vais bien, j'espère que toi aussi. Salut, je suis nouveau, je voudrais savoir c'est quoi le but du jeu. Alors, on est sur un farm sim, Noriox. Un farm sim, c'est en général, tu hérites ou tu récupères une ferme que tu vas devoir développer en faisant des cultures, de l'élevage d'animaux. C'est des jeux aussi où il y a de la pêche, où il y a toujours des mines dans lesquelles tu vas farmer des minerais, où aussi il y a des ennemis à affronter. Il y a tout un, en général un village, donc là en l'occurrence qui est ici, dans lequel il y a pas mal de PNJ avec lesquels tu peux te lier d'amitié en leur faisant des cadeaux, ce genre de choses. Tu peux aussi te lier en amour, te marier, avoir des enfants. C'est ce que j'ai là actuellement. J'ai ma femme et mon premier fils, enfin mon premier enfant qui est un fils du coup. Et plein d'autres petites choses, voilà. Ça mélange du farm, du craft, avec un peu d'éléments de RPG, de combat, action-aventure, voilà. Ça mélange plein de genres. C'est ce qu'on appelle le genre des farm sim, simulateur de ferme, vu que tu gères une ferme à la base. Voilà à peu près le pitch de ce genre de jeu. Et le colza, pareil, miel ou huile. D'accord, Mrs. Beers. Ok. Tu es curieux, Nomi, de voir ce que Coral en multi va donner. Bah, je t'ai pas le seul. Après, je penche sur un multi où c'est quelqu'un qui va venir sur ta ferme et qui va aider à faire ta ferme. Je vois pas comment il pourrait faire autrement parce que le multi n'était pas prévu de base sur le jeu. Et c'est quelque chose qui rajoute et je vois pas comment il pourrait faire autrement. Hein, bon. Donc, il faut pas s'attendre à des trucs incroyables en multi. Hein. De toute façon, pour l'instant, le meilleur mode multi d'un farm sim, c'est clairement My Tame at Sandrock. Hein. Ils ont fait un truc, moi je trouve, exceptionnel. Hein. Vous avez deux jeux en un. Hein. Surtout que pour l'instant, le multi est gratos, quoi. Hein, donc c'est quand même assez foufou, je trouve. Je commence à avoir une collection de truffes. J'ai quand même 50, 60, 62 truffes. Quand il va falloir les transformer. Ça va être long. Ça va être très long. Du coup, on a à peu près tout fait. On va aller ouvrir nos géodes. Je vais poser les artefacts. Enfin, les fossiles, pardon. Hop. Et on va juste aller ouvrir au forgeron. Maitam, c'est le top du farm sim. Multi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas mieux en termes de jeu multijoueur sur un farm sim actuellement. Ah, tant mieux, Gérald. C'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Un multi comme The Rancher, j'imagine. Oui, c'est ça, ouais. Comme The Rancher, comme. Mince. Fly Farm. C'est le même principe, Fly Farm. C'est quelqu'un qui vient sur ta ferme et qui t'aide à faire ta ferme. Il part. C'est. Ouais, c'est ça, quoi. Pareil pour. Roots of Pacha. Alors, même si Roots of Pacha, il y avait quand même des trucs plutôt bien fichus. Mais le principe, c'est quand même ça, quoi. Ce serait presque le second meilleur farm sim du côté du multi Roots of Pacha. C'est un mélange, enfin c'est à la croisée de My Tame at Sandrock et de ce qui se fait d'autres en multi dans les farm sim, quoi. Parce qu'on a quand même chacun sa maison dans Roots of Pacha. On peut chacun faire notre romance. Les quêtes sont communes. T'es pas là pour avancer la quête du joueur sur laquelle tu vas dans la ferme. On se rapproche vraiment d'un Sandrock en fait. Au final sur Roots of Pacha. Donc bah pas de nouvelles pierres précieuses, malheureusement. On va aller revendre ça. Et puis bah on va aller en farmer d'autres. Bah, c'est gentil, Noriox, de t'abonner, merci beaucoup. Et bienvenue sur la chaîne du coup. Merci, merci. Du coup, j'ai dit, on revend ça, ça
Bah, en fait, non, je revends pas, j'ai pas de place. Ça vaut 218. Alors attendez. Ah, ça vaut quand même 200 le sirop d'érable, 145 la résine. Bon, on va pas chipoter pour trois trucs, hein. Du coup, est-ce que j'ai mis de la pierre là-dedans? Non. Donc je vais garder ça sur moi, c'est pas bien grave. Alors quelle mine on fait pour finir ce live, les loulous? On a fait une fois l'osmium, une fois l'argent, deux fois l'or. On va faire la bronze. Même si je suis pas sûr que dans la catégorie bronze, il y a encore besoin de. Il me manque ces quatre là, hein. Donc clairement, il nous manque le diamant. Donc le diamant, c'est ici. Parce qu'on n'a pas de diamant. Et après, par contre, bah, les trois autres, je ne sais pas. Hein. Mais c'est pareil, le diamant, je sais pas dans quelle mine on peut le trouver. Bonne soirée à tous, je dois y aller. Bonne soirée, Linou, merci d'être passé. Des bisous. Sûrement comme Big Farm Story. Je suis pas un fan des Farm Sim, mais Sandrock est sympa à jouer en coop. Ouais, t'as vu Chris, hein? C'est chouette, hein. Alors Big Farm Story, je connais pas du tout. J'avoue. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si, on peut avoir une info là-dessus, effectivement, Lyriel. En tout cas, on peut savoir dans quelle mine il nous manque quelque chose. Effectivement. Et je crois que j'en ai complété. Oh. Ah bah, j'ai complété celle du vent. Donc en fait, je suis retourné dans la mine du vent pour rien. Un chapeau de géant vert. Il nous en manque deux à l'eau et deux à la terre. Donc la mine d'argent et la mine de bronze. Très bonne idée, Lyriel. Merci beaucoup. C'est quoi ces tapis roulants? C'est l'automatisation sur le jeu, en fait, Nadia. Le principe, c'est que tu. Je vais te montrer vite fait. C'est en fait, plutôt que de mettre les ressources dans tes machines, machine par machine, tu mets un coffre d'automatisation comme ça. Tu le poses, de chaque côté tu mets une machine et tu peux faire des tapis roulants si tu mets plusieurs machines collées les unes aux autres. Donc là en fait, au milieu j'en ai une, mais elle se voit plus parce que ça, elle s'est transformée en tapis roulant. Et du coup, plutôt que de mettre dans tes machines, tu mets dans le coffre te distribue tes produits à transformer dans les machines et une fois qu'ils sont transformés dans les machines les remettent sur le tapis roulant et les récup et c'est le coffre qui les récupère transformés. Et toi, t'as plus qu'à donc t'as juste à alimenter le coffre en ressources et surtout tu peux en stocker beaucoup d'avance pour plus être embêté. Et après, comme j'ai fait tout à l'heure sur le début de cette journée, tu récupères quand t'en as pas mal à accumuler, tu récupères tout et tu vas les vendre dans ton coffre de vente ou tu les gardes pour faire d'autres transformations si tu souhaites faire d'autres transformations. Du coup, les loulous, on va aller à la mine de bronze vu que c'est la seule qu'on n'a pas faite aujourd'hui. Et qui nous manque du coup deux pierres précieuses. Et merci à Lyriel pour ce conseil incroyable. Eau et terre, du coup, oui. Donc la terre qui est ici. Et l'eau qui est ici. On voit les petites animations. Hein. Donc les racines pour la terre, la petite fontaine pour l'eau. En plus, hein, il y a les symboles au-dessus de chaque truc. Là, quand on s'approche de celle du feu, il y a des torches qui s'est. Qui s'allume et là c'est bah pour la mine du vent, on voit qu'il y a des feuilles qui virevoltent quand on s'approche aussi de l'entrée. Voilà. Et là les petites animations de terre aussi en plus des racines. Pour bien faire comprendre que bah, c'est la terre. Et donc on est parti. Je me mets ici. Et c'est parti pour le farming. Donc là, on veut des géodes de terre. Voilà, comme celle-ci. Et on les ouvrira au prochain live, c'est-à-dire lundi qui arrive.
Là, on a eu une géode mystère, c'est pas celle qu'on veut. Alors, géode mystère, c'est un peu comme les coffres basiques, là. Les petits coffres. On les trouve dans toutes les mines. Ces géodes mystères. Ou comme les coffres mystérieux. Donc là, si on fait un premier point sur ce premier étage, on a eu une géode mystère et une géode de terre. Alors, les pierres précieuses à revendre, on va les mettre ici. Ça, c'est mon nouveau petit casque rigolo. J'ai pas regardé d'ailleurs à quoi je ressemblais si je le mettais. On va le mettre là. Oui, c'est comme l'autre, mais c'est le vent, quoi. Ok. On passe à l'étage suivant. Les lives, c'est à quelle heure? C'est toujours 15h-18h. Noriox. Tous les jours. Enfin, chaque fois que je suis en live, c'est ces horaires-là. Ça peut arriver que je dépasse 18h, mais c'est rare quand même. Mais laisse-moi tranquille, quoi. Voir sûrement plus longtemps. Oui, bah apparemment personne. Bah après, si je pouvais faire plus, je le ferais plus parce que j'adore stream. Mais c'est juste, alors c'est une question de temps. Il faut aussi que je fasse, bah, je pense un peu à moi, hein, perso. Hein, et puis souvent, en général, quand j'ai fini le live à 18h, j'enchaîne sur d'autres trucs pour la chaîne derrière. Donc, c'est vrai que 18h, c'est souvent le grand max, quoi. Non, je ne veux pas quitter la mine. Je veux descendre plus bas. Mais c'est vrai que ce serait cool de faire un peu plus. Après, souvent, passé 18h, les gens commencent à aller préparer à manger tout ça. Donc, on perd du monde. C'est pas non plus forcément le plus intéressant. En tout cas, pour tout le monde. Hein, mais c'est vrai que 15h-18h, c'est ce qui colle le plus à la commu que j'ai actuellement. En tout cas, le noyau dur... des personnes qui sont présentes là tout le temps. Voilà, il y a des gens qui streament que le soir, il y a des gens qui streament que le matin, que au début d'après-midi, que en fin d'après-midi. Voilà, ça dépend des streamers. Et les streamers bâtissent leur communauté de viewers de cette façon, hein, de toute façon. Après, c'est vrai que quand on est streamer, 100% streamer, hein, donc c'est pas mon cas, hein, la rentabilité vient par les abonnements, les dons. Quand vous êtes sur Twitch, bah, y a d'autres moyens, y a les bits, y a 50 000 trucs, quoi, mais ça passe par ça, quoi, en fait. Hein. Ok, on a encore clean un étage, alors on en est où là? Ah, c'est 5 de terre. Ouais, c'est moyen, quoi. Moyen, hein. C'est pas énorme. Soma, il a chaud. Pourquoi j'ai chaud? Qu'est-ce qu'il raconte, Patrice? Cette personne, tu ne saurais pas voir Soma, il ne se montre pas. Merci, Nadia, c'est gentil. Merci beaucoup pour le pouce. N'hésitez pas à le mettre hein, si vous n'avez pas encore mis votre petit pouce pour soutenir la chaîne, justement. C'est vrai que le pouce... Hein, alors, vous savez pourquoi... Enfin, j'imagine que la plupart d'entre vous le savent. Hein, mais pourquoi les youtubeurs répètent sans cesse « Pensez au pouce, pensez au pouce, au pouce ». C'est la stat la plus importante sur une vidéo YouTube après la vue. Le fait de regarder la vidéo, en fait. Voilà.
Je parle purement statistique, je parle pas côté financier, machin. Pour le référencement de la chaîne et qu'elle soit bien placée quand, dans les propositions de vidéos qu'on vous fait hein, donc, sur YouTube, c'est le pouce quoi. C'est le pouce, c'est le pouce. C'est pour ça qu'on vous dit pensez au pouce, pensez au pouce. Il y a même des petits bandeaux automatiques maintenant sur que certains activent. Alors moi je ne l'ai pas activé. J'ai pas envie qu'il y a ça qui apparaisse sur mes vidéos. Où il faut cliquer sur le pouce, l'abonnement et la cloche. Il y a un truc automatique maintenant qu'on peut placer sur les vidéos qu'on tourne et qui apparaît là. On peut le mettre une fois, on peut le mettre 10 fois aussi hein, pendant la vidéo. Et bon, c'est un peu intrusif, je trouve. Il y a des... Pour ceux qui soutiennent la chaîne, il y a déjà les pubs à regarder quand une chaîne est monétisée, hein, forcément, parce que YouTube, la principale source de revenus, ce sont les pubs. Hein. Il n'y a pas de secret. Et bah du coup, vous avez déjà ça, sans avoir d'autres trucs qui viennent s'afficher au milieu de l'écran et qui cachent une partie de l'écran en plus. Enfin, de la vidéo en tout cas que vous regardez. C'est une pub, bah, ça coupe la vidéo, donc vous loupez rien. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en mets pas quand on est en direct. Pour pas que vous soyez coupé, que vous loupez quelque chose. Par contre, un petit bandeau qui s'affiche, bah, ça vous cache une partie de l'image, quoi. Comme une webcam de vos streamers préférés qui vous cache des fois des infos assez importantes sur les jeux, hein, mine de rien. Mais moi, je suis toujours parti du principe que si vous veniez regarder les lives. Enfin, mes lives, c'était pas pour voir ma tête, c'était pour voir le jeu auquel je jouais. Alors, ça peut être sympa pour voir les réactions du streamer, mais sorti de ça. Quand je regarde un stream, c'est pas pour la tête du gars qui est dessus, hein. C'est pour sa façon d'animer son stream et aussi les jeux qu'il présente, quoi. Donc, 90, voire peut-être même plus des streamers ont une cam. Hein. Moi, perso, j'en mettrai certainement jamais. Ce qui m'a pas empêché de mettre ma caméra des fois pour certaines vidéos particulières. Si vous farfouillez sur la chaîne, hein, vous pouvez trouver ça. Hein. Il faut bien chercher. Alors, je pense que ça va être notre dernier étage de cette journée parce que il est 20 h passées, in-game. Et que si on veut ranger un minimum pour être prêt pour le prochain live, il faut pas trop traîner. Donc on a fait au total 9 gemmes de la Terre, 3 mystères. Hop, j'ai un petit truc là en plus. Ça va là. On va remonter. Où est la corde? La corde est ici. Alors, Aurélie, ici, il s'est montré sur les FAQ, bah voilà, qui a vendu la mèche. C'est les premières FAQ de la chaîne, en fait. J'ai 2-3 vidéos où on voit ma tête, j'ai montré ma tête. J'ai une caméra, après, hein, pour faire du... T'es en perruque et en caleçon. Ouais, j'avoue. Bah, ça change. Oui, le font de plus en plus ce ruban. Ouais, le petit ruban avec les trois trucs, le pouce, l'abonnement, la cloche. Sonner les cloches, quoi. C'est Pâques qui arrive, de toute façon. Je l'ai mis quand je suis arrivé. On est à 46, on va pas faire les 50 aujourd'hui. Soma, boxeur, perruque, ça claque. T'as vu ça un peu? Incroyable. Faut que je récupère ma tenue dans mon coffre, en fait, ma salopette. Comme ça, j'aurai la tenue... On peut avoir trois tenues, en fait, enfin... Je peux récupérer ça et ça et puis je fais ça. Là, je fais ça. Comme ça, on a trois tenues. Puis suivant mon humeur, on peut changer. Voilà. Suivant l'humeur du jour. Donc on va remettre une petite laine de mouton là-dessus. On veut revendre ensuite. Bah je peux pas, j'ai plus de place. En fait, on va rien revendre. On va placer ça ici. Le bois ici avec le petit champignon. Il y a le nouveau chapeau qu'on avait bloqué. On aura en tout cas super bien avancé dans les collections aujourd'hui. Hein.
C'était un peu l'objectif. Le titre du live, c'était En route vers l'automne. Bah, on est la veille de l'automne, donc on ne peut pas mieux faire. C'est-à-dire que le prochain live. Ah non, on est le journée 27. Ah mince, on fera encore une journée de. J'ai mal compté. On fera encore une journée d'été la prochaine fois. Bah, c'est pas grave. On fera la transition en direct du coup. On va juste check du coup combien on a gagné en mettant bah, tout ce qu'on avait, enfin pratiquement tout ce qu'on avait à vendre. Et puis voilà. Et tu as montré une photo avec Ardag et un autre pote lors d'un barbecue. Ouais, c'est quand on avait fait une IRL chez moi quand j'habitais dans les Landes. Effectivement, j'avais montré ça, ouais. Avec les tabliers de la communauté des Trois Royaumes. Et je peux vendre ça. Effectivement, Lyriel, elle a l'œil sur tout, quoi. C'est incroyable. Donc, hop, résultat des courses. On est à 47 pouces, il va en manquer 3. J'ai un petit peu de tristesse, hein. 132 240. Et du coup, on se retrouve à quasiment 1 100 000, les loulous. On a presque rattrapé notre argent de départ de cette saison 2. C'était il y a in-game, hein, bien sûr, 1 an et demi. Quand on est démarré avec un peu plus d'1 300 000 et qu'on a dépensé en veux-tu en voilà dès le début, quoi. On va faire la sauvegarde. Hop. Et puis on va se laisser là-dessus surtout. On en a fini pour aujourd'hui. Voilà, voilà. Impeccable. 1 099 000. Donc, récapitulatif. On a fini les fossiles. On a fini les artefacts. On a réussi à trouver 3 gemmes aujourd'hui. Donc, il n'en manque plus que 4. On a aussi mis à la déesse le fameux fromage de chèvre, mais vieilli, là, en fût. Je crois que c'est tout ce qu'on a mis à la déesse. Donc franchement, c'est pas mal. On a bien avancé sur la remise des items aussi, du coup, au musée. Surtout qu'on avait oublié de mettre 2 fossiles qu'on avait déjà dans cette collection-là, mais pas au musée. Donc on a mis 4 fossiles au musée. On a mis donc 3 gemmes et 2 artefacts. Franchement, bon après-midi. Les collectibles. Oui, les collectibles, c'est tout ce que tu collectes. Tu collectionnes, pardon, plutôt. Les objets collectionnables, les collectibles. Pour une fois, j'invente pas un mot, hein. Et sac à dos. Tu as montré une photo avec un. Et sac à dos. Sac à dos, sac à dos. C'est dans Dora l'exploratrice, ça. Sac à dos, sac à dos. Récupérable, pardon. Ouais, tout à fait, ouais, Nomi. Enfin, voilà, donc on continuera sur cette lancée-là. Bon, on farmera la mine de terre et la mine d'eau pour essayer de récupérer les 4 gemmes qui nous manquent. Prochain live, on passera à la saison d'automne, donc on aura certainement quelques. Il y en a plus des masses, hein. On avait fait le point aussi en début de live. Il nous manque 5 poissons, 6 poissons, pardon. 2 insectes et 2 créatures des mers. Donc, de ce côté-là, non plus, il manque pas grand-chose. Hein. Donc, il faut pas espérer qu'on ait 50 000 trucs à faire en automne de ce côté-là. Il faudra check. Je crois qu'au niveau de la maison, on l'a upgrade à fond, donc on peut pas faire plus. On a tous les animaux. Mine de rien, avant que la prochaine mise à jour arrive, on arrive tout doucement et sûrement à la fin de ce qu'on peut faire. La ville est toujours en B. Mais le musée lui est passé en B. Et le patrimoine n'est pas très loin. On n'est pas très loin de passer en C. Je pense que si on donne encore une ou deux offrandes, ouais, 2 3 offrandes à la déesse, le patrimoine va passer en B aussi. Hein. Il y a de grandes chances. Hein. Donc franchement, c'était cool. Donc les loulous, je vais vous laisser là-dessus. Je remercie Mrs. Beers Chris et Gérald pour la modération du live. Je remercie tous les loulous qui ont interagi dans le chat ainsi que les loulous de l'ombre. Et qui ont soutenu le live en étant présents et en le regardant surtout. Merci à tous les petits nouveaux qui ont pu être présents. Merci à Noriox, par exemple, tout nouveau et qui vient de s'abonner. Ainsi qu'aux quelques nouveaux qu'on a eu en début de live, qui étaient pour une fois, qui pouvaient être présents, voilà, pour A plus B égale C. Bah là, bah, écoute, c'est pas moi qui fais les calculs, hein. Mais en fait,
Alors, je sais pas où tu vois A plus B égale C, mais non, là, c'est en l'occurrence, c'est C plus A plus B égale B. Ce qui est logique, hein. Voilà, c'est la moyenne de ces trois qui donne cette note-là. Nomi, quand même, tu devrais savoir ça. Donc, dans tous les cas, les loulous, on se retrouve demain sur Palworld avec Mira, dimanche sur Enshrouded avec Mira, Chris et Dark, lundi à nouveau du Coral Island, et mardi, vous aurez la surprise, j'en sais rien du tout. Voilà. Dans tous les cas, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, passez une bonne soirée. On se dit à demain pour ceux qui seront là, à plus tard pour les autres. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde! Thank you.